à vos jeux. À vos jeux. Votre émission 100% gaming. À vos jeux. La spéciale, c'est un peu comme la vraie, mais quand même vachement différent. Salut à tous, bienvenue dans À vos jeux, votre émission 100% gaming. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce soir pour cette émission très très spéciale. En fait, nos 1 an, et pour ça on le fait en faveur, enfin 24 heures de live en faveur d'Andy Gamers, association qui crée des solutions pour les gamers en situation de handicap. Et on va recevoir plein d'invités, 28 invités au total partageront l'antenne avec nous pendant ce 24 heures. Ça va être juste génial. Il va y avoir des clés de jeu à gagner, des heures de gaming, des heures de just chatting, des quiz, des débats. Il y aura énormément de choses pendant ces 24 heures. Et voilà, on espère que vous serez contents de nous suivre comme d'habitude. En tout cas, nous, on est plus que ravis d'être là ce soir. Et d'ailleurs, pour animer cette émission avec moi, je suis en compagnie de Loïc. Bonsoir Loïc, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Très bien, je te remercie. Chaud pour ce 24 heures ? Ouais, en pleine forme, Il va falloir préparer le café, dit Rano. J'en profite, Redneck, merci vraiment infiniment merci pour ton don. C'est vraiment très sympa de ta part. Voilà, c'est vraiment top. T'es le premier don de la soirée, donc voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Il s'ajoute à la cagnotte, mais il est là. Il est là, exactement. Oh, oui, c'est vrai que ça se rentre pas dans la cagnotte, mais ça sera de toute façon donné aussi à Andy Gamers. Donc voilà, merci pour eux, c'est vraiment sympa. Avec moi également Chris, notre responsable technique. Bonsoir Chris, comment vas-tu ? Mais ça va bien, en tout cas maintenant ça va, ça fait à peine 10 minutes que ça a commencé, mais je sais pas dans 15 heures comment ça va donner, mais là ça va. Je sens qu'on va bien rigoler. Et toi, ça va ? Écoute, ça va, pour le moment, comme tu dis, dans 15 heures, ça sera sans doute différent, mais là, pour le moment, ça va, tout baigne. Un peu stressé quand même, j'ai un storyboard sous les yeux qui fait 8 ans de 6 pages, donc voilà, ça, c'est du lourd. Avec moi également, David, bonsoir, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Ça va bien ? Je dirais toi, mais il l'a déjà dit, donc... Voilà, tout le monde me l'a demandé déjà, mais c'est pas grave, ça va bien, merci David. Et on reçoit ce soir nos premiers invités de la soirée. On commence avec Alex, joueur de Sim Racing et développeur d'un volant adapté aux personnes à mobilité réduite. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir Alex, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, je te remercie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Enfin, c'est plutôt toi qui t'es proposé, donc voilà, c'est plutôt, ouais. Plutôt sympa. On est ravis de t'accueillir avec nous pour la première fois dans vos jeux. Merci, avec plaisir. Avec nous également, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était notre tout premier invité dans vos jeux, donc ça date d'il y a une année exactement, c'était le premier jeudi du mois de septembre 2019, Stylus Cosplayer. Bonsoir Stylus, comment vas-tu ? Hello, ça va bien, ça fait plaisir de vous retrouver après cette grosse année, et puis j'espère que vous êtes en forme, parce que là il y a un gros programme, mais bon c'est pour une bonne cause, donc ça va être cool. En tout cas merci de m'avoir invité, et ça me fait super plaisir d'être de nouveau avec vous pour cette occasion. Mais c'est merci cool. À toi. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir de te revoir, c'est pas rien quand même, une année, notre premier invité, on partait de rien, et t'avais accepté tout de suite de venir dans notre émission, donc voilà, c'est cool. Et le cosplay en plus, tu viens en cosplay, donc c'est top. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là ? C'est Chris, il m'a pas laissé les choix, il m'a fait pour que tu viennes en cosplay, ce que tu veux, du Mario et tout. Donc j'ai dit ok, allez. Du coup, j'ai pris le costume de V du jeu qui va sortir Cyberpunk, parce qu'il est pas, on voit mon visage et du coup ça reste du cosplay. Et puis c'est assez cool de pouvoir le porter dans un cadre interview, gaming et tout. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, chaud là pour les 3 prochaines heures. Et puis je me réjouis de découvrir la suite de votre évolution à vous. Parce que là, vous êtes tout frais, mais dans 15 heures, ça va être autre chose. Oui, exactement. Non, c'est chouette, en tout cas, que tu as accepté de venir en cosplay. C'est vraiment top. Ça claque. Franchement, tu as de la gueule, là, quand même. Merci. Redneck, tu sens un peu d'émotion, mais forcément un petit peu d'émotion. En plus, juste avant que ça passe le trailer, juste avant le générique. Donc, moi, il me fout les frissons encore. Et oui, beaucoup d'émotion, un peu de stress quand même, forcément. On espère que ça va se passer correctement, que tout va bien aller. Mais voilà, non, c'est oui, cool. Il va y avoir des déconnexions intempestives. Ouais, forcément.
on va avoir des flips. Ouais, c'est la vie. C'est le, mais le... c'est normal, mais c'est normal, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, on soit là. Et puis, même s'il y a des petits bugs, il y a pas de souci. Noz, il y a pas de table à repasser pour Loïc parce que forcément, pour enregistrer 24 heures, il fallait qu'il se mette à un endroit où il serait quand même à l'aise. Et du coup, il s'est décalé dans une autre pièce. Donc, pas de table à repasser avec plein de goodies derrière lui. Pas aujourd'hui. Ce n'est même pas une table à repasser, mais c'est une table pour les diapositives. Ouais. Voilà, ok. Et mais ça moi, très... Et si jamais moi derrière moi, on voit juste là un TARDIS. Voilà. Ah, oui, un TARDIS très loin, exactement. Il est plus petit à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pour le coup, là. Excellent. Avec nous également Tom, streamer passionné de jeux de voitures. Tu étais venu aussi il y a quand même quelques mois en arrière. Tom, ouais. Bonsoir, comment vas-tu? Salut. Bah, je vais vous dire comment ça va, mais bon, ça sera plus une question à dire dans 15 heures aussi. Voilà. Excellent. Bon, tant mieux. Ouais. En tout cas, on est ravis de t'accueillir avec nous une nouvelle fois, Tom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait à peu près 9 mois, d'après ce que j'ai vu. Là, je suis allé regarder vite fait sur YouTube. Donc, 9 mois, ça passe vite. Ça passe très très vite, exactement. À l'époque, on était encore en multi-stream. On streamait à la fois sur Twitch, Facebook, YouTube. On streamait un peu partout. Là, on n'est plus que sur Twitch. Donc, il y a eu quand même des évolutions depuis la dernière fois que tu es venu. Avec nous également, Cyril, journaliste et auteur spécialisé dans les jeux vidéo. Tu es venu plus récemment, Cyril. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de t'accueillir avec nous. Bonsoir. Comment vas-tu, Cyril? Eh bien, ça va. Ça va. Je vous demanderai pas si vous allez bien parce que bon, voilà. On va tous le faire. Forcément, bon, forcément. Le cœur y est. Magnifique. Et avec nous, Fred qui a réussi enfin à se connecter. Il y a un orage chez lui, du coup, il a des petits problèmes de connexion. Frédéric, fondateur de Star System, blog sur l'actualité gaming. Bonsoir, Fred, comment vas-tu? Eh ben, salut tout le monde. Ben, ça va malgré l'orage, mais bon, ça a l'air d'être passé un tout petit peu, donc j'espère qu'il n'y aura plus de connexion. Promis, on va tout faire pour. Hein, et en tout cas, ben, merci encore. Oui, non, je vais les pousser un peu vers Avignon là-bas. Là. Sinon, ben, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je suis ravi d'être là. Tout d'abord, ben, bon anniversaire, puisque c'est la première année d'existence de la chaîne. Donc, merci. Bon anniversaire, je tenais à le dire. Et puis, ben, je suis content de lancer ce marathon avec vous pour l'association Andy Gamer, hein. C'est une très très bonne chose. Et puis bah, j'espère que vous nous avez préparé plein de trucs hyper cool pendant ces 24 heures et que vous avez pris des vitamines. Alors effectivement, on a prévu du sucre, des vitamines, de la théine, on a tout prévu pour tenir pendant ces 24 heures. Merci beaucoup Fred, en tout cas ça fait plaisir. J'ai raté quelques messages, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, à vos jeux, c'est une hebdomadaire. Tous les jeudis soirs à partir de 21h, on vous parle de toutes sortes de jeux et on a chaque semaine aussi un invité avec nous. Et c'est aussi également des spéciales les derniers vendredis de chaque mois où on décrypte un seul jeu en compagnie de plusieurs invités. Et puis bah, là, on peut dire que ce soir, hein, c'est vraiment une spéciale très particulière pendant un an, effectivement. Spéciale. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Pinterest, ainsi que sur notre site internet www.avojeux.ch sur lequel vous avez les replays et un blog avec plein d'actualités, plein d'articles. Et puis ce soir, effectivement, enfin pendant 24 heures, on va essayer de récolter un maximum de dons pour l'association Andy Gamers qui, je vous le rappelle, fournit des solutions adaptées pour des gamers en situation de handicap. Donc c'est vraiment une belle cause. Et pour faire des dons, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire des cheers et également cliquez sur le bouton « Faire un don » qui se trouve dans la bio de notre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir cette association. Elle le mérite, voilà, vraiment. Voilà, n'hésitez pas. Il y a un bouton « Donation » qui se trouve juste en bas. Ouais. Et ben, que le premier se lance. Jabs, ouais. Pardon ? C'est l'heure de danser. Ah si, je l'ai vu. Alors, c'est quoi la troisième musique que tu n'avais pas mis? Ah, il a mis 1500 pour danser. Oh, ouais, non. Il a mis 1500 pour danser, donc vous allez tous danser. Hein. Les invités, vous devez danser. Oh. Hein. C'était quoi la musique? C'est quoi la troisième musique qu'on n'avait pas mise, Chris? On les a toutes mises. Je vais prendre... C'est moi qui dois les mettre. Parce qu'on va non, prendre... je l'ai sous les yeux. Ah, donc, oui, vas-y, on va prendre... Ah, je vous préviens, c'est une musique de merde, mais c'est le but. Que ce soit des musiques bien pourries. Donc c'est l'heure de danser. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink
vous allez trouver ça, quoi. Ouais, voilà. Ah, j'ai mes sources. Mais, on avait déjà un peu dansé avant le live, mais ça, voilà, les gens n'ont pas vu. Mais... mais c'est génial parce que ça met tout de suite dans l'ambiance, dans la bonne humeur pour ce 24 ans. Donc c'est top. Et pour dire, j'ai jamais vu David danser avec autant de motivation que ce soir. Donc merci, David. N'hésitez pas, c'est avec des pop-corns hein, qui sont en bas. Vous pouvez faire des actions comme me donner un gage, mais bon courage. Mais des vraies musiques là. Non, il faudrait que je les renouvelle parce que forcément là on a fait des trois, mais je les renouvellerai avec des musiques bien pourries. Croyez-moi, j'en ai en stock, donc il n'y a pas de souci. Il y a Redneck qui a une déco, on doit recommencer. Ah non, ça non, il fallait être là, ma foi. Ça sera sur le replay. Excellent. En tout cas, bienvenue. Merci. On a un don magnifique. Merci beaucoup, Mel. Merci beaucoup, Mel, pour ton don de France. C'est vraiment top. Ouais, bah, ça cool. Marche pas. Non, c'est le deuxième, parce qu'il y a Redneck qui avait donné du tir, c'est quand même un don. Oui, je vois que la cagnotte, elle fonctionne pas super bien. Ça marche pas des masses, j'avoue, effectivement. Tu le mets manuellement, tu modifies, puis tu le mettras manuellement. J'imagine que tu dois additionner à chaque fois, on n'est pas sorti. Hein. Mais t'additionnes avec la somme, ça va quand même. Donnez des chiffres ronds, comme ça, ce sera plus facile. Elle a mis Chris comme message pour les meilleurs, si jamais. C'est vraiment chou, merci infiniment, Mel. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, d'ailleurs. On est vraiment ravis que vous soyez là et on espère que vous serez en nombre pendant la totalité de ces 24 heures. On vous demande pas de rester avec nous 24 heures, mais repassez de temps en temps quand vous pouvez, donc c'est cool. Il y a un truc mensuel à 5... Non. Oui, alors effectivement, attention, effectivement, c'est mieux de faire des dons ou de donner des tirs parce que l'abonnement mensuel, le souci, c'est que on touche la moitié de cette somme, donc seulement la moitié de cette somme sera reversée à l'association, mais les abonnements seront aussi reversés à l'association. On garde rien ce soir, on donne tout, donc voilà. Bon, bah moi j'ai juste envie de dire c'est le début de ces 24 heures, c'est la fête, hein. Allez, on va attaquer ce 24 heures avec toi, Alex. Forcément, c'est normal. On a envie de te présenter parce que forcément, tu es en train de développer en ce moment un volant adapté pour ton handicap à toi, mais qui sera également aussi accessible à d'autres personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite plutôt. Donc voilà, moi déjà, première question. Quand est-ce que tu as rencontré Andy Gamers, Alex? En 2019. On a un don, merci Star System. Merci. Merci beaucoup, c'est merci. Vraiment gentil Fred. Merci beaucoup. Donc beaucoup. En 2019, tu as rencontré Andy Gamers. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet que tu réalises avec eux en ce moment? Moi j'ai un handicap de naissance. Donc ce qui fait que je suis en fauteuil électrique toute la journée et... faisant du sim racing en compétition, suivant les jeux, la manette, elle suffit plus, quoi. Donc, c'est vrai que le volant reste l'idéal. Et il faut trouver des solutions pour pouvoir utiliser le volant sans utiliser les pédales. Un autre système, quoi. D'accord, ok. On y reviendra plus tard, mais... Il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai qu'avant ce système, tu avais un volant qui venait des États-Unis, non, qui n'était pas adapté totalement à ton handicap, finalement. Ouais. C'est ça. Et en plus, le problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que c'est de l'industriel. Et quand tu fais venir quelque chose des États-Unis, tu as la douane, quoi. Oui, évidemment. Et moi, j'ai eu 130 euros de douane. Donc, ça fait plaisir. Et pas de cadeau, hein, franchement, ouais. Voilà, d'accord. C'est ça. Et là, ce volant, ça fait combien de temps qu'il est en développement? Parce qu'il est toujours en prototype à l'heure actuelle. En fait, le prototype est terminé. On travaille sur ma version définitive qui sera un Fanatec CSL Elite. Pour ceux qui connaissent les connaisseurs. Et donc... Merci, je te coupe juste Alex. Merci beaucoup Mika pour ton don, c'est vraiment sympa. Faut que tu les comptabilises parce qu'il y a le don de Fred et de Mika que t'as pas comptabilisé. Ah d'accord, ok. Excuse-nous Alex. Pardon Alex. Ce prototype, on l'a présenté à Paris Games Week,
au salon de la PGW, donc. Même des gens valides s'intéressaient au système, ils étaient intrigués. D'accord. Et ils se prenaient vite au jeu, quoi. Mais ils disaient, il est où le pédalier ? Ah ben non, le pédalier, c'est ça, quoi. D'accord. Je t'ai fait parvenir des photos, si tu peux en faire voir à l'écran ou... Je sais pas. Oui, il y a Chris qui va passer un bout de la vidéo. Merci beaucoup, Mad Boy. Ouais, vraiment, c'est vraiment top. Merci pour vos dents. Ah, on a perdu Star System. Frédéric, ouais. Il fait des allers-retours, lui. Il a des petits soucis. Les petits soucis de coke. Ça effectivement. La cagnotte se met à jour tout seul. C'est juste un peu long. C'est du côté de Streamlabs, mais ça se met à jour. D'accord, ok. Magnifique, en tout cas. Chris, il y avait une petite vidéo aussi que tu vas pouvoir continuer à discuter. D'accord, la pas de souci. Ouais. Voilà, ok. Du coup, les personnes valides qui se sont intéressées à ce volant, elles ont pu l'essayer ou Ouais, exactement. D'accord. Ok, excellent, c'est remontable. Comment ça a été perçu en fait ce système-là? Bah, ils étaient intrigués. Et nous, ce qui nous a touché avec David, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois à la PGW, donc, faut savoir que tout le projet a été fait depuis mars. Par Skype, en fait. D'accord. Vu que moi, j'habite en Vendée et Marseille. Ah ouais. Alors okay. Voilà, vous voyez actuellement à l'image une poignée, là, c'est ce qui sert à tourner le volant. Et après, on voit le... J'ai un peu de retard par rapport au retour, mais on voit le levier qui permet de accélérer et freiner. En gros, tu tires... Ça accélère, tu pousses vers l'avant, ça freine. Et d'accord. Droite et gauche, quand on le bouge à droite et à gauche, c'est fait pour monter et descendre les vitesses. D'accord, ok. C'est très technologique finalement, voilà. comme volant voilà. Adapté, ouais. Magnifique. Et hein. On l'a présenté à Rennes, donc dans les usines de chez Thrustmaster. Et... Thrustmaster, donc, qui font les volants à la base, tout type de volants dans le commerce, et voilà. Et depuis mars 2020, depuis juillet 2020, je suis ambassadeur Handy Gamer. Ah, magnifique, ah, félicitations, splendide. Merci. Combien de temps ça t'a pris? Je ne sais pas s'il l'avait déjà dit, je suis désolé, mais combien de temps ça vous a pris de développer ça, ce prototype? Quasiment. On a commencé à en parler en mars, et puis on l'a présenté à la PGW en octobre, donc ça fait au moins 7 mois, quoi. Ah ouais, c'est un bon d'accord, coup, ouais. Ok. Il y a des vibrations sur le volant, demande Redneck. Voilà. En fait, il y a tout ce qu'il y a dans le volant classique, il y a juste... au niveau des pédales et pour tenir le volant, que ça a été modifié. Mais sinon, tout est d'origine. Okay. D'accord, ok. Ok, ok. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir à tout le monde. Du coup, tu sais quand est-ce qu'il y aura la version... quand la version finale sera commercialisée? Bah, elle sera pas commercialisée, comme je te disais, quand on avait préparé en amont ce live. Nous, ce qu'on veut, c'est faire... Parce que chaque handicap est différent. Moi, j'aurais besoin d'un matériel spécifique, mais quelqu'un d'autre aura besoin d'un autre matériel spécifique. Chaque handicap est différent, donc il faut s'adapter avant tout à l'handicap de la personne. D'accord, ok. Donc du coup, il sera adaptable selon chaque utilisateur. Voilà. Et toi-même, tu sais quand est-ce que tu vas pouvoir enfin l'avoir entre les mains? Pour l'instant, avec le Covid, il faut savoir que le projet a pris du retard, mais on espère que je l'ai un peu avant la fin de l'année, quoi. Le cadeau de Noël. Voilà, c'est ça. Excellent. Voilà, c'est ça. Comment vous êtes aidé financièrement pour ce projet? Est-ce qu'il y a des organismes ou des personnes qui aident au financement de ce projet? Alors, le prototype a été fait intégralement de notre poche, hein. Faut le savoir. Et là, on essaye d'avoir un peu, bah, par exemple, pour ma version de Fanatec, CSL Elite, donc, pour au niveau du pédalier, parce que pour passer les vitesses,
il y a des potentiomètres dans les pédales. Et ces potentiomètres-là, ils sont invendables, du moins chez Fanatec, à la vente. Okay. Donc, il faut obligatoirement acheter un pédalier. Et moi, je connais du monde dans le sim racing. Et du coup, j'ai fait une annonce sur Twitter en disant, voilà, est-ce que quelqu'un aurait un pédalier à vendre pas trop cher, ou alors à donner à l'association. Et une personne que je connais a dit, m'a envoyé un message à moi et David, a dit, je veux bien vous aider dans votre projet, j'ai plus besoin de du pédalier, je vous le donne. C'est donc, magnifique. Voilà. Voilà. Magnifique. Donc on a eu ça à moindre coût, quoi. Ça nous a, ça va nous éviter de bah moi, tous les moindres coûts sont importants, surtout dans notre situation où bah forcément toutes les personnes en situation de handicap ne travaillent pas. C'est mon cas, donc voilà quoi. D'accord. Ok. C'est quand même. C'est quand même un volant comme ça, c'est quand même un investissement autant humain, mais également niveau pépette, quoi. Voilà. Ouais, bah ouais, forcément, ouais. Forcément, c'est clair, c'est clair. C'est incroyable, c'est génial, hein. Franchement. Chapeau. Ouais, franchement, c'est magnifique, ouais. Chapeau, ouais, vraiment. Ça prend ton temps aussi à réaliser. Et si je peux me permettre, étant ambassadeur en gamer, je vais juste rebondir sur une petite chose, si vous pouvez me permettre. On t'écoute, bien sûr. En fait, l'association Handy Gamer, c'est pas... Enfin, pour passer pour le matériel, on passe par une autre société qui a été créée par David en 2019. Donc la société iClick, qui est bah, tout ce que faisait Handy Gamer à la base. Et là, nous... l'association Handy Gamer, donc, qui est une association à titre non, enfin, qui elle permet en fait à toutes les personnes en situation de handicap d'aller sur les événements. Oui. Par exemple, oui, c'est pas que des créateurs de matériel, quoi, finalement. C'est aussi voilà. Accompagnateur pour des événements gaming, ouais. Voilà. Et non, mais même l'association Handy Gamer, c'est surtout pour tout ce qui est aide financière, etc. Parce que forcément, quand t'es en fauteuil roulant et que tu dois aller à Paris, tu peux pas prendre le métro. Mmh. Soyons clairs. Et en plus de ça, faut un hôtel adapté. Mmh. Et en plus, pour que la personne y aille, faut un véhicule en plus. Mmh. Et... D'accord. Plus des aides médicales qu'il y a derrière. Mmh. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, si Handy Gamer m'avait pas aidé, la prise en charge de mes aides humaines, juste pour 3, 4, 5 jours, je crois, il y en avait pour plus de 2000 euros. Donc. Wow, ok. Ouais. Voilà, c'est quand même ça. Et on a travaillé là-dessus avec David, et c'est vrai que là, l'association Handy Gamer m'a permis d'aller à la PGW justement pour faire des démos avec le volant. D'accord, ok. Si l'association Handy Gamer et même une cagnotte litchi que j'avais fait de mon côté, sans l'argent récolté qu'on perçoit, ben on peut pas aller à l'événement. C'est pour ça, non seulement vos dons vont nous aider au niveau matériel, mais également pour aider l'association à payer une partie du voyage aux personnes qui veulent se rendre sur place à des events, même si cette année avec le Covid il n'y en a pas trop. Oui. Voilà, ce sera pour l'année prochaine, voire l'année d'après. Donc, tout don est important et si vous pouvez donner, bah, vous inquiétez pas, ça sera entre de bonnes mains.
Excellent, merci Alex. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de David de l'association Handicamers qui sera là, j'en profite pour l'annoncer, voilà. Demain matin entre 7 et 9h et également demain soir entre 19h et 21h ouais, où nous, on pourra aussi reparler de l'association. On sera encore là mais dans un état un petit peu différent par contre. Durée de poulet, c'est bon hein. Je voulais juste transmettre le message de Mad Boys pour son don. Il nous dit mais les francs suisses c'était en 1900. Non, oui, non, on a toujours les francs. Parce que nous, on n'est pas à l'euro, non. Nous, on est encore en francs suisses. Exactement. J'ai aussi envie qu'on parle de toi, Alex, et de ta passion pour le sim racing. Quand est-ce que tu es tombé dans cet univers? Ben, en fait, moi, il faut savoir que je suis fan de tout ce qui est Formule 1 et tout à la base. En réel, je parle. Mmh. Et en fait, je suis tombé dans le sim racing tout petit. C'est-à-dire dès que j'ai eu ma première console, en fait. D'accord. Mes parents m'avaient acheté le premier Gran Turismo, donc sur PS1. Et je suis tombé dedans. C'est... Okay. D'accord. Et sinon, au niveau compétition, je fais de la compétition depuis 2012. D'accord, ok. Et t'es sur quel jeu en ce moment? Là... Pour l'instant, mon parcours e-sport est en pause, comme je te le disais. Moi, à la manette, j'étais démotivé parce qu'il faut savoir que je fais partie d'une équipe, la Race Clutch, qui est 100% valide. Et il n'y a que moi qui est handicapé dans la structure. Et ils m'aident à... En fait, moi, je fais partie de la Race Clutch pour tout ce qui est démocratisation de ce système particulier en attendant mon volant. Et un jour, j'ai parlé à mon président, donc Richard, qui est président de la Race Clutch, et je lui ai dit, écoute, moi, niveau sim racing, je prends plus de plaisir, faut faire quelque chose, quoi. Il me dit, c'est parce que tu prends deux tours de retard sur les autres, c'est quoi le souci? Je dis non, moi être lent en piste, c'est pas le problème. Je m'améliorerai comme je peux, tu vois. Mmh. Le problème, c'est que je prends plus de plaisir parce que je pilote à la manette. Et c'est vrai que t'as moins d'aisance par rapport à ceux qui pilotent avec un volant. Mmh. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont aidé à trouver des solutions. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Et, pour finir là-dessus, avec mon volant, l'objectif c'est de rouler, de reprendre la compétition déjà, parce que quand t'es compétiteur à la base, ça te manque. Mmh. Et c'est de rouler sans assistance au pilotage et de piloter sur la simulation iRacing sur PC. D'accord, ok, vraiment le gros niveau quoi, sans assistance en plus, donc ouais, ok. Voilà. Du coup, en ce moment, tu peux pas faire de compétition, mais tu as quand même une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors moi, il y a 90% du temps du sim racing, parce que souvent, maintenant, des éditeurs m'envoient des jeux pour montrer aux personnes à mobilité réduite, par exemple, même des personnes valides ou des parents de personnes handicapées, pour leur dire, voilà. Ce jeu est adapté à tel handicap ou pas. Mmh. Et s'il n'est pas adapté, je le dirai comme s'il était adapté, évidemment. Et je fais aussi tout ce qui est multigaming et présentation de matériel, donc nouvelle console. Là, je vais faire une vidéo sur mon volant quand il va arriver. Ou alors, je fais... des vidéos comme tous les youtubeurs sur toutes sortes de jeux quoi. Tu sors une vidéo chaque semaine ou tous les mois? Quand t'arrives. J'aimerais en sortir plus. J'ai le temps parce que je suis à la maison, je travaille pas, mais en fait moi mon problème c'est que je prends pas le temps. J'ai le temps mais je le prends pas. Donc je me dis tel jour je vais sortir une vidéo et en fait, je le,
je la sors pas, quoi. Dans 3 semaines, ça sort vraiment... très bien. Je la fais aujourd'hui, mais elle sort dans 3 semaines, c'est top. Voilà, pour qu'elle sort. Tu procrastines. On est tous pareils, hein. C'est ça. Non, mais voilà. Puis avec David, quand je lui ai parlé du projet, parce que il me dit, t'es sûr de ton coup, t'es sûr que ça va marcher. Et moi, vu que je savais de quoi j'avais besoin et mon recul sur la discipline, je savais ce qu'il me fallait. Donc, je savais qu'on n'allait pas tomber dans le ravin, quoi. Enfin, qu'on n'allait pas tomber dans l'inconnu. Mmh. Et ce qui est fort, c'est qu'on a fait le prototype de A à Z via Skype, hein. On s'est seulement vu à la Paris Games Week pour la première fois. On s'est vraiment vu seulement à la Paris Games Week pour la première fois, quoi. C'est un sacré défi. Moi, je me pose la question, je me dis, une fois que tu auras ton volon, est-ce qu'il y a d'autres matériels que tu vas développer avec Andy Gamer, ça ? Alors, d'où vient mon boulot d'ambassadeur aussi ? C'est pour, justement... Il y a plus de personnes en situation de handicap qu'on croit qu'ils sont fans de Sim Racing. Parce que ils sont passionnés de sport auto et le Sim Racing, c'est un peu notre seul moyen de faire de la course auto. Mmh. Et donc, l'objectif de mon rôle d'ambassadeur, c'est de dire aux gens voilà, Andy Gamer, c'est de me présenter devant les personnes handicapées dans des salons, faire des démos comme je disais tout à l'heure, ou tout simplement qu'ils m'envoient un message sur Facebook ou Twitter ou ce que vous voulez. Mm-hmm. Même ma boîte mail, hein, qui est sur mon Twitter. Hein. Je vous remets le lien Twitter justement. Et voilà, c'est de dire voilà, nous Andy Gamer, au niveau du sim racing pour les personnes de handicap, on fait ça. Et on fait ça à l'handicap de la personne. Magnifique. Merci beaucoup, Alex, pour toutes ces précisions. J'ai trouvé très enrichissant et très intéressant cette interview. J'ai vu dans le chat des gens qui ne connaissaient pas l'association Andy Gamers et qui sont ravis et qui ont mis des commentaires comme ils étaient ravis de connaître cette association. Je vous remets le lien de l'association. On en reparlera demain matin entre 7 et 9h et demain soir entre 19h et 21h. Merci beaucoup, Stylus. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et ça tombe bien, je vais rebondir sur toi justement, Stylus, parce que voilà, cosplayer, comme je dis, ça se voit, hein, forcément. Non, moi je vois pas. Ressemble à un néon. Mais il s'habille comme ça tous les jours, je le croise dans la rue, moi. Pour aller à la banque le matin, direct. Il y en a qui ont des masques, il y en a qui ont des lunettes, t'étais dans le temps, quoi. Ouais, je suis dans l'air du temps, Covid, néon 2021. Excellent, magnifique en tout cas. Et du coup, depuis une année, quand t'as pas revu, qu'est-ce que tu deviens, Stylus ? Raconte-moi. Vieux. T'as pris une année de plus, forcément. Ouais, j'ai pris une année de plus. On les vit de moins en moins bien, mais on essaie de vivre malgré la situation un peu particulière. Comme disait Alex, j'étais aussi à la Paris Games Week l'année dernière, et puis là, ça fait un moment qu'il n'y a plus du tout de convention, d'event, donc c'est un petit peu triste. Heureusement, il y a encore les jeux vidéo, donc on a pu, je pense, bien avancer sur ça durant des mois. Mais sinon, un petit peu une année triste ou nette, mais ça fait plaisir de revoir du monde. Heureusement, il y a les lives, il y a Zoom, même content d'être retourné au travail, de revoir mes collègues en semi-télétravail. Donc non, très très, ça va. Allez, on essaye d'avancer. Suite de l'interview avec les lunettes. Ah ouais, il y a vite de la buée, tu vois, il fait 1000 degrés d'ailleurs. Je suis en train d'attraper un coup de soleil en fait. J'ai mal. Tu bronzes, c'est nickel. Le mec, il a mis des longs UV derrière, quoi. Et tu te rends pas compte, quand on a fait les photos en hiver, c'était cool. Il y avait une sorte de petit réchauffement de la nuque, mais là, dans un appartement, en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment une bonne idée. Mais bon, voilà, c'est les aléas du métier. Excellent. Parle-nous un petit peu de ton projet. Je vais mettre le lien du trailer qui est sur YouTube en ce moment, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc vraiment, mettez ce lien de côté. Il faudra vraiment que vous le regardiez. Parle-nous un petit peu de ce projet.
Alors, en fait, cette année, en début d'année, en deux temps, j'ai eu l'occasion et la chance de participer au tournage du film, le short movie de Cyberpunk, donc le jeu qui va sortir en novembre par CD Projekt. Et du coup, on a fait un projet side à côté avec un autre cosplayer qui s'appelle Maul, et qui est assez connu dans le domaine. Et c'est une histoire qui est en relation avec le jeu, qui est inspirée. Je peux donner aucun détail parce qu'il n'y a rien qui est sorti. Hormis le teaser, on va dire que c'était un petit peu le bol d'air cette année. Du coup, c'est une production avec quand même pas mal de moyens. Et je pense que ben, si vous avez vu le thriller, vous verrez qu'il y a quand même du lourd. Les Oui. cascadeurs, c'est l'équipe de Jackie Chan. Le réalisateur, il a travaillé sur Six Underground, Netflix. Il revient de. Du tournage de Doom 2020 avec Jason Momoa, etc. Donc, on a eu beaucoup de chance d'avoir une équipe de choc pour ce projet. Et du coup, ben voilà, j'espère que ça plaira. Nous, on croise les doigts parce que c'était énormément de travail et d'investissement. Moi, j'ai un petit rôle et c'est un travail d'équipe. Il y a des centaines de personnes qui se sont investis là-dessus, donc on espère que ben, ça fera plaisir aux gamers, aux fans et puis à ceux qui aiment bien les films d'action. Ah, en tout Donc cas, moi qui voilà. ai vu le trailer, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien fait, c'est propre, Je vous coupe ça juste deux donne secondes pour vraiment, dire vraiment envie. merci à Bplaystation Merci pour ton beaucoup. don. Vraiment, merci. Effectivement, grand Merci merci beaucoup. pour ton don, Merci. hein, effectivement. Merci. Et nos deux animateurs qui sont là, qui disent pas là, merci! On se réveille, c'est pas le moment de dormir. C'est pas encore l'heure, pioncé là. Non, effectivement, effectivement. Tu veux qu'on dise quoi? Merci! Ah ouais, merci, ça t'écorcherait la gueule de dire merci. Ah ouais. Je Vous remets embêtez, le trait. vous embêtez. Que devient, en quelques mots, que devient la cosplay family? Bah ça va bien, on s'est vu il y a une semaine après 6 mois pour une petite fête, histoire de juste de se dire qu'on s'était vu une fois dans l'année, donc ça fait du bien de voir les amis, de voir la communauté, et puis de pouvoir un peu échanger autour de voilà de comment va la vie, etc. Donc non c'est cool, on a beaucoup de chance, on a vraiment une super bonne communauté en Suisse, et puis bah, du coup pareil pour la France, j'ai beaucoup de potes, l'année dernière on a eu pas mal de conventions aussi en France, et que j'aurais bien voulu revoir. Donc voilà, on espère que les événements en tout cas reprendront rapidement parce que c'est pas évident aussi ben, pour Ouais. toutes les personnes qui travaillent, je pense, grâce à ces événements, on parle des cosplayers, mais il y a des gens que c'est leur travail vraiment, autant les organisateurs que les gens qui ont des stands, du fanzine, des artistes, etc. C'est beaucoup d'acteurs. Donc courage aussi à toutes ces personnes-là qui sont un peu, j'ai envie de dire, à l'écart du domaine. Voilà. D'accord, merci beaucoup Stilouz. Du coup, on va passer, c'est l'heure du giveaway. Ah, le giveaway. Chaque heure Bon, ou presque. pardon. Chaque heure ou presque, nous offrons une clé pour un jeu vidéo. Du coup, bah, comment ça se passe? Déjà, la clé que nous allons vous offrir, c'est le voyage de Toki. Je vous mets le lien tout de suite pour que vous puissiez voir quel jeu c'est. C'est un jeu d'action-aventure en accès anticipé. Donc, pour participer à ce giveaway, il va falloir mettre point d'exclamation. Je ne sais plus maintenant. Tu vas voir, ça va arriver. C'est parti. Si ça veut bien marcher. Il y a des fois ça marche pas. Oui, c'est tout bon. C'est parti. Pour ceux qui veulent participer, c'est point d'exclamation play dans le chat. Alors Donc, voilà, point attends. d'exclamation play, vous pouvez tous participer et il y aura un petit jeu qui se lancera. Vous avez une C'est bon, minute. les gens s'inscrivent, c'est bon. D'accord, vous avez une minute maintenant pour vous inscrire. Point d'exclamation play pour gagner ce jeu. Il y aura un tirage au sort. Hein, c'est un petit jeu que vous allez découvrir avec nous dans un peu moins d'une minute maintenant. Je vous enverrai après en privé. Le gagnant, je vous enverrai après comment ça va se dérouler pour qu'on puisse vous transmettre la clé. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas. Point d'exclamation play, allez, on y va. Faut participer, un petit jeu. Si vous ne le voulez pas, vous pourrez toujours le donner. Donc voilà, participez Il n'y pour a pas gagner beaucoup de ce gens qui jeu, veulent le voyage de participer en Toki. fait, hein. De quoi? Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent participer, hein. Allez, allez, faut participer. Allez, Je c'est veux, un je jeu veux. gratuit. D'où vous voyez, vous pouvez gagner un jeu gratuit, vous pouvez l'offrir aussi.
Ah, merci beaucoup, Baron Vaudou, pour ton don. Vraiment sympa de ta part. Merci. Baron Vaudou qui sera avec nous demain, exactement entre 10h et midi. Merci beaucoup, Baron, pour ton don. C'est parti, 10 secondes avant le départ. Dans 10 secondes, allez, on met point d'exclamation, play. C'est trop tard. C'est parti. Ah, d'accord. Ok, c'est parti pour le petit jeu. Comme map, mais on va bien se marrer. C'est parti. C'est toujours, on avait expérimenté ce petit jeu de Special Poker. Oui, c'est tous des jeux PC qui sont depuis Steam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ils doivent aller dans le centre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, on va aller voir dessous. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a un circuit. On va voir qui c'est qui sort en premier. Donc, en fait, c'est vous incarnez tous une petite boule. Et le premier qui arrivera, qui attendra la ligne d'arrivée, remportera le jeu, le voyage de Toki. Ah, on a B-PlayStation qui est en première position. C'est attention, original, ça, Mikachu qui est passé devant. Ah, mais je... C'est génial ce genre de jeu. Ça va me plaire. On avait expérimenté ça, la spéciale poker, parce qu'on avait des prix à gagner aussi. Et, attention, et ouais. Il y a des raccourcis. Hein, donc ah, attention, voilà. Rendek qui vient de passer devant. Ah, il y a c'est Sadik qui vient de prendre la première position. Il prend un turbo boost. Ah, oui. Ah, attention, est-ce qu'il va se faire dégager de la piste? Ça va me plaire, ça. Il va passer. C'est donc un peu comme de la course. Hein. Oh là là, ouais. Il va vite, hein. C'est Rondolux qui est en premier. Ouais, ah, ça Rondolux. C'est le jeu, tu sais jamais qui c'est qui va gagner à l'avance. Quoi. C'est un peu comme Fall Guys. Hein. Elle est longue, ouais. Hein, cette course, elle dure 2 minutes. Redneck qui dit je gagne toujours, attention, attention, on va voir si tu vas gagner. Ah là là, non, c'est Sadik qui reprend la tête. Ça se joue entre Renault Deluxe et Sadik qui sont très serrés. Mais on a Mikachu qui arrive derrière assez rapidement. On va voir qui c'est qui va passer. C'est Renault Deluxe de nouveau, il va se faire pousser. C'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Descendeur Renault Deluxe qui passe la première boucle. Qu'est-ce qu'il va prendre? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il prend gauche. Qui c'est qui est tombé? C'est dingue. Ah, il y en a un qui est tombé. On dirait un commentateur e-sport. Ouais, voilà, ça commence à faire. Qui est sorti la route. C'est incroyable. Que c'est dommage pour B-PlayStation qui est sorti. Mikachu est encore là, Redneck derrière DCR qui a joué. Non, on a David. T'es sérieux, David? Attention. Ça joue toujours entre Renault Deluxe et Sadik, c'est très très serré. On est à 1 minute 56 de course, on arrive au bout gentiment. J'ai peut-être pas pris la course la plus rapide, mais c'est pas grave. On avait ah ouais, ça continue pas mal. Hein. Non, c'est vite. On a 24 heures de notre côté. Hein. Ouais, de notre côté, on attend. Hein. Oui. C'est pas comme si on avait un programme chargé hein, non plus. Bon. Ah, c'est millimétré, vous vous rendez pas compte, c'est millimétré à la minute. Toujours hein, mais... Radic. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont réussir à passer ou ils vont sortir de la piste? Ah, ils sont beaucoup trop d'avance. Ouais, Deluxe, il est toujours sur la piste. Sadik est sorti de la piste. Oh là là là. Ah ouais, là. Ah dommage. Ah, il est bloqué là, non? Non, il arrive, il arrive, il arrive. Bah, à mon avis, à moins qu'il se fasse éjecter. Ah ouais, il arrive très très lentement, ouais. À moins qu'il se fasse éjecter, ça va être le gagnant. C'est lui qui gagne, je pense. On va le voir arriver ici. Et ça arrive qu'il n'y ait personne qui gagne. Alors non, normalement, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Après, il faut espérer qu'il y ait ces gens qui participent. C'est Renault Deluxe qui gagne. Parce qu'on a toujours au moins un ou deux qui se font gicler hors de la piste. Redneck qui s'est fait jarter, on a DCR. Alors, Renault Deluxe, félicitations. Je vais t'envoyer un MP pour te donner l'explication de comment ça va se passer. Hop. Voilà, t'as le MP et tu recevras très prochainement le jeu, le voyage de Toki. Bravo à toi, les perdants, vous inquiétez pas, il y aura d'autres tirages au sort à chaque heure de Just Chatting. Il y aura un giveaway à gagner. Donc voilà, le prochain aura lieu dans une heure. Il porte réclamation, il a dit Sadik. De quoi? Il a dit qu'il portait ça devant la cour de justice, il n'est pas content. Bon allez, on va passer à la suite avec le quiz. Le quiz. Ah, je l'ai eu. Et c'est le premier quiz de ce 24 heures. Et c'est toujours Michael hein, qui sera là de 19h à 21h avec nous demain, qui nous fait les voix pour le jingle. Il y en a plein, il y en aura plein, vous verrez. Du coup, le quiz, je vous ai fait un fake ou pas fake en rapport avec le on dit gaming. Oula. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je vous donne une proposition et vous devez simplement me dire si oui ou non, enfin, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, fake ou pas fake. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Magnifique. À l'heure actuelle, il n'existe aucun jeu adapté aux personnes souffrant d'un handicap mental. Fake. Fake. Allez. Fake. Fake. Oh, fake. Ouais, fake aussi, je pense. Alors, qui dit fake, vous levez la main? Ça existe. Est-ce qu'il y en a un qui dit pas fake, en fait? Alors, non, plus vite. Non.
Tout le monde dit fake. Effectivement, c'est un fake. Le jeu Fury, par exemple, dispose d'un mode invincible. Ce mode est utile pour trois types de joueurs. En premier, il y a le speedrunner qui souhaite s'entraîner sur un boss en particulier. Mais il y a aussi le joueur qui ne souhaite pas galérer sur un jeu dit hardcore, mais plutôt découvrir l'univers plus en douceur. Mais il y a aussi le joueur qui peut tout simplement pas progresser dans le jeu. Et Fury n'est pas le seul exemple. Le seul jeu, en tout cas, qui cherche à pousser à l'accessibilité. Il y a aussi Super Mario Odyssey qui dispose d'un mode guidé. Et même Spider-Man sur PS4 qui propose la possibilité de désactiver les puzzles via un onglet spécialement dédié à ça. Ok. Ciao Yann, à demain. Salut Yann. À demain Yann, c'est vrai que Yann vient... demain, je sais plus à quelle heure. 10h, il a dit, vient nous réveiller. À 10h, voilà, à 10h exactement. De 10h à midi. Du coup, prochaine proposition. Un aveugle est un joueur pro de Street Fighter. Fake vrai. Ou fake vrai. Vrai. Bah, si Alex le dit, moi je dis vrai. Hein. Forcément. Forcément. Bon, alors effectivement, c'est pas un fake. Il s'appelle Steven De Vegge. Il est classé super diamant, donc c'est l'un des 5 rangs les plus hauts de ce jeu. Il n'utilise que les sons. Hein. il sait parfaitement reconnaître, exactement, il sait parfaitement reconnaître les sons de tous les personnages et ainsi se repérer c'est dans incroyable. L'espace grâce à l'utilisation de la stéréo du jeu. C'est juste incroyable. C'est extraordinaire. Mmh. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a pas mal de joueurs hein, qui suivent les jeux avec les sons, surtout pour ce genre de jeux d'arcade. C'est ça, exactement, exactement. Mais il joue aussi à d'autres jeux. Hein. À part ça, il n'est pas que sur Street Fighter, il est aussi sur Mortal Kombat ou encore Killer Instinct. Hein. Mais aussi à des jeux moins compétitifs tels que la série des Pokémon ou bien même Super Mario RPG. Ouais, c'est juste extraordinaire de savoir ça. J'ai trouvé ça génial. Voilà, voilà. Prochaine proposition. Pour le moment, vous avez tous 2 points. Ça va. Il existe un jeu semblable à Tony Hawk, mais avec des personnages en fauteuil roulant. Oh. Non. Non, non. Fake. Je dirais vrai. Fake. Vrai. Oh. Qui c'est qui a dit, vrai? Moi. C'est le seul, Chris, qui a dit vrai. Alors, c'est pas un fake, effectivement, c'est vrai. Ouais. Chris a raison. A raison. Région. À région. Non, c'est que le début. Hein. Attendez, c'est que le début. Demain matin, on va faire Chris. Hein. je vous ai tous eu sur ça. Hein. Même dans le chat, je vous ai eu apparemment. Qui avait raison. Le jeu s'appelle Extreme Wheelchairing. On incarne une personne en fauteuil dans un environnement urbain et le principe, bah, c'est un parcours contre la montre dans lequel il faut se rendre d'un point à l'autre de la ville tout en effectuant des cascades, ce qui nous permet de marquer des points. Wow. Ce jeu est téléchargeable sur iOS et Android. Bravo, ouais, Chris. Je l'ai vu passer il y a un petit moment déjà. Ouais. Ouais. Tu l'as soufflé à Zoé pour son quiz. Alors non, pas du tout. Alors pas du tout. Il sait pas. Il sait pas. Je sais pas. Exactement. Prochaine proposition. Un streamer Twitch a remporté plus de 100 000 dollars en se faisant passer pour un paraplégique. Oui, vrai. Ouais. Ça, moi, j'ai entendu parler. Je passe. Je passe, Alex. qui dit vrai? Levez la main. Qui dit vrai? Vrai. Ouais, c'est vrai. Yeah. Cyril, tu dis pas vrai, est-elle le seul, non, parce que j'ai vu. Cool, moi, je dis fake. Hein. David et Cyril disent fake. Alors, vous êtes les deux à avoir raison, c'est un fake, mais c'est moi qui suis méchante. Attendez, je vous note les points pour qu'on soit bon. Alors, c'est un fake, mais en fait, je suis très traître, parce que l'information, elle est vraie, mais c'est pas 100 000 dollars, mais c'est 20 000 dollars qu'il a arnaqué. Ce qui est déjà énorme. Oui, c'était la question piège du soir, il fallait quand même... René qui dit s'est levé pendant le stream. Oui, voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Vu cette vidéo-là. Le joueur qui se appelait Zillian OP était notamment connu pour ses parties sur Diablo 3 et World of Warcraft en 2013, et il demande à sa communauté de l'aider financièrement pour l'aider à vivre de son handicap. Pourtant, un jour, il a oublié d'éteindre sa caméra avant de se lever. Sa chaîne a été fermée par Twitch. Twitch qui a apparemment, d'après ce qu'ils disent, remboursé les personnes qui s'étaient abonnées à cet arnaqueur. C'est quand même fou qu'on puisse jouer de ça pour toucher de l'argent. Et 20 000 dollars, c'est juste énorme quand même. C'est énorme. Le mec, il a dû se faire des couillons d'un euro. Ouais, franchement, c'est franchement dégueulasse. Mériterait des claques quand même. Prochaine proposition. Il existe un jeu mobile pour les aveugles. Vrai. Vrai. C'est vrai. Sûrement, oui. C'est vrai. Avec les sons. Non, il est en braille. C'est dragonien. On va aller plus simple. Qui c'est qui dit pas vrai, levez la main. Ceux qui disent pas vrai, vous levez la main.
David va-t-elle seul à perdre? David, t'es vraiment le seul à perdre. J'aime pas être dans la masse. T'aimes pas être dans la masse. Excellent. Non, alors effectivement, c'est pas un fake. Le jeu s'appelle A Blind Legend. On y incarne Edward Blake, un célèbre chevalier aveugle qui est guidé par sa fille pour trouver sa route dans le royaume de High Castle. La particularité de ce jeu, c'est qu'il n'affiche aucun visuel. On doit simplement utiliser ses oreilles pour mener à bien la quête proposée. C'est super bien fait. C'est vraiment à faire. Je crois même que d'ailleurs, le jeu est gratuit, si je dis pas de bêtises. Oui, et il me semble effectivement qu'il est gratuit. Tu l'as testé, c'est, vraiment... c'est marrant ça. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer aussi les développeurs, puisqu'ils sont venus à un festival anime qui s'appelle le Festival Noga. Et ils ont présenté en fait leur jeu. Et c'est vrai que le travail qu'ils font là-dessus est vraiment énorme. C'est vraiment un travail sur le son. Vraiment, on arrive à avoir un son spatial assez important. Et ça permet de travailler en fait là-dessus. Et surtout de rendre accessible le jeu à des personnes qui habituellement ne pourraient pas jouer. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et c'est une entreprise. Alors, je ne m'en souviens plus les développeurs qui c'est, je m'en excuse. Mais ils travaillent vraiment sur des jeux qui ont un but comme ça, toujours à parler d'un sujet assez délicat ou en tout cas un sujet important de la société. Et vraiment, en tout cas, ce jeu-là, c'est vraiment essayé. Vraiment, c'est un super. Moi, en tout cas, ça a été vraiment énorme comme expérience. D'accord, top, merci. En tout cas, moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de l'essayer. J'ai toujours envie de l'essayer, j'ai pas eu le temps encore, mais ouais, ça donne envie, effectivement, ouais. Pour se mettre un petit peu dans cette position-là aussi. Donc, ouais. Prochaine proposition, Rocket League dispose d'un mode daltonien. Sans doute. Vrai. Je dirais vrai. Je sais pas. Ouais, vrai aussi. Tout le monde dit vrai? Ouais. Non, alors vous avez tous faux. Ouais, d'accord. C'est un fake, mais c'est la deuxième question piège de la soirée. Il n'y a pas de mode d'affichage daltonien puisque les couleurs des équipes orange et bleu se distinguent dans les trois types principaux de daltonisme. Donc le jeu avait déjà été pensé à la base pour les daltoniens et ils n'ont pas eu besoin de rajouter un mode. Oui, c'est traître, je sais. Ouais. Ah, d'accord. En plus, dans Windows, il y a un mode daltonien. Donc au pire, on peut... Il y a pas mal de jeux qu'on peut améliorer. Oui, ça existe, oui. Ouais. Exactement. Il y a énormément de jeux. Je vous ai trouvé le seul jeu où il n'y avait pas besoin, en fait. Désolé, monsieur, dame, vous avez un fiche d'image. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous les entendez, mais vous ne les voyez plus, ça bug. C'est normal. Ça va revenir. Ça a été sur moi. Alors, premier bug, 21h54, c'est nickel. On me voit en grand. Juste, j'espère que Zoom reprend, parce que sinon c'est le crash et on recommence. Vous êtes là? Non. Bah alors, j'espère qu'ils nous entendent quand même. Oui, bah, là on vous entendait pas pendant quelques secondes, mais maintenant oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Chris. Oui, on t'entend. Bon, bah voilà, c'est un bug. Parce que Chris t'a même figé sur Zoom. Oui, voilà, mais bon, voilà. Je vais essayer de résoudre ce problème, mais ça va être compliqué. D'accord. on avait prévu tout un tas de bugs, mais pas celui-là, je dois dire. Il reste quand même 23 heures de live. Hein. Oui, on est bien, ça commence tip-top. Mais on le savait. Hein. Quand on sait, si vous saviez le nombre de fenêtres qu'il a d'ouvertes sur son PC, Chris, c'est juste hallucinant. Alors, prochaine proposition, parce que vous ne nous voyez pas, mais vous nous entendez, donc c'est parfait. Doom est un modèle de référence en matière de sous-titres pour les malentendants. Fake ou pas fake hein? Fake, c'est l'inverse. Fake. Ouais, fake. Faux. Tout le monde dit fake, du coup? Ouais. Eh bien, effectivement, c'est un fake. C'est même l'un des pires jeux, car les sous-titres sont souvent de la même couleur que l'arrière-plan. Ils sont également très petits. Et pire encore, c'est carrément des blocs de 4 à 5 lignes de texte qui sont affichés. Donc, ce qui est juste l'enfer pour lire en même temps qu'on joue. Donc, c'est tout sauf un modèle de référence pour les... Je suis navré de vous annoncer ça. Tu dois redémarrer le live. Je pense qu'il va falloir redémarrer pour que ça marche. Et donc j'ai vous pensé. Allez déconnecter quelques secondes. Il va falloir vite vous reconnecter. Je suis d'accord. Vraiment navré à tout le monde, mais j'ai pas le choix. Il a crashé. Et on même pas une heure. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. C'est ouais, effectivement, effectivement. Non, bah alors on va arrêter le live. J'essaie encore un truc, mais je garantis rien. Non. Si ça coupe, vous vous reconnectez. Vous êtes prêts? Alors ouais, faites un refresh de page d'ici une minute, comme ça, même pas 30 secondes, ce sera bon. Non, allez, non, le live, il coupe pas. Hein. Je parle de Zoom qui coupe. Moi, je serai toujours en live. Hein. Le live. Ah, c'est Zoom. Ah oui, d'accord. C'est Zoom qui va couper. Hein. Ok. Bientôt. Bon, bah alors voilà, vous entendez que moi maintenant, hein, que moi. Je vais relancer tout ça. Les gens vont se connecter rapidement. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Ah là, paf. Ah non, tout le monde est là en plus. Ah, ça a repris tout le monde.
Ah, oh, c'est magnifique, ça a repris tout le monde. Hop. Donc, il n'y a pas besoin de quitter. Alors, mais Chris, t'es toujours en figé, par contre, toi. Hein. Ouais, mais moi, j'ai deux Chris chez moi. Ouais. Non, mais ça, c'est... Ouais. 16 bugs, c'est normal. Oui, deux Chris, oui, exact. On a des gens qui ont disparu, en plus. Et il y a Cyril qui n'est plus là. Ouais, il a dit qu'il se reconnectait. Donc, Chris, il va falloir que tu coupes Zoom, oui, parce que toi, bah... t'es figé. Non, moi, ça marche. Hein. Oui, mais t'es Chris deux fois. C'est Chris et Steve. Vous êtes deux fois, là. Chez moi, ça va. Et moi, je... En effet, t'as raison. Mais moi, je suis à la place de table, c'est très bien. Ah ouais, maintenant je suis deux fois et je suis plus. On voit Chris sur le live. Ah voilà, ok, ok. Alors, ah, ça va être compliqué là maintenant. Alors, ah. Oh, mais sur le live, je sais pas si t'as vu les. Ah ouais, parce qu'elles sont pas au bon endroit, ah les cams. Attends, ils sont tous dans la file d'attente en plus maintenant. Alors attends, hop, hop. Voilà, je suis désolé, hein. Voilà, récupère. Ah, voilà. Je te laisse faire les switches de cam, Chris. Des switches de cam. Oui, parce que tout le monde n'est pas bien placé dans le overlay. Oui. C'est beau la technologie, exactement. Ah, c'est beau, mais quand ça crache. J'ai changé. T'as changé. Quoi, c'était moi. Sur deux écrans. Ouais. Qui c'est qui est parvenu du coup? Il manque qui là? C'est Cyril. Entendez, ah, c'est Cyril là. Oui, on t'entend. Hein, ok. Ok, ok, bon, alors, en attendant que Chris règle ce petit problème, je vous propose une dernière question. Un joueur de FPS quadriplégique a été recruté dans une équipe e-sport. Je dirais vrai. Ouais, vrai, ouais. Ça dépend quel jeu. Je dirais fake. Un FPS, je ne dis pas quel jeu. Un FPS. Vrai. Je dirais vrai, ça paraît probable. Tu dis fake, toi, David, ou bien t'as le seul à dire fake, quelqu'un d'autre qui dit fake? Deux. Ok. Donc, c'est pas un fake. C'est pas un fake. C'est Rocky No Hands, il s'appelle comme ah ça. Ah oui, il joue avec la bouche. Exactement, un adepte quadriplégique de jeu de type Battle Royale qui joue à l'aide d'un appareil contrôlé par sa bouche. Le quadriplégique. Exactement, exactement. Voilà, il a été recruté au mois d'août de cette année par l'équipe professionnelle de sport électronique Luminosity Gaming. Et le joueur détient deux records Guinness décernés en 2019 pour ses performances sur Fortnite. Le plus grand nombre de victoires en utilisant donc ce contrôleur, Quad Stick, et le plus grand nombre d'éliminations en utilisant ce même contrôleur. Trop bien. Bravo. Hein. Ouais, Rockin. Ah, Rockin, j'ai pas lu. Il joue avec la bouche, ouais, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Ouais. Je pense qu'il... nous foutrait la pâtée à tous, quoi. C'est certain. Ouais, alors ça, j'en suis sûr. Ouais, ouais. J'ai vu des vidéos quand il joue, c'est extraordinaire. Ah ouais, ouais, moi c'est aussi. Hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, bah j'ai vu, ouais. Je me suis dit, mais comment il fait ça? Genre, c'est ouais, un don, carrément. Il commente en même temps, je sais pas comment il fait pour commenter et jouer, quoi. C'est... comment faut, il peut commenter? Faut de la technique, quoi. Ça fonctionne, là, le live, les amis, vous nous voyez? Oui. Ouais. Ah non, moi je parle des gens dans le chat, j'ai l'impression que non. Sur Twitch c'est bien. Sur Twitch c'est bien. Vous vous rendez compte, je vois le retour. Et vous vous rendez compte, il est 22h. Il est 22h ouais. Et l'heure nous est offerte par 30 secondes d'avance, ça vire. Parce que les moches aussi. Ah, mais merde, 30 secondes d'avance. Bon, j'en profite. Vous avez pas entendu, parce que j'ai pas partagé. Donc du coup, c'est le début du live, ça bug. Je suis désolé. Ah non, t'as pas partagé. Chaque heure, on a une voix. Non, c'est vous, avec c'est vous qui êtes en retard. C'est 22h00 et 25 secondes. Hein, je suis désolé. Okay. Donc je renvoie l'heure. Les gens ont entendu, mais pas vous. C'est parti, il est 22h. Il est 22h et l'heure nous est offerte par les boîtes de thon Petit Navire. Parce que les moches aussi, elles ont le droit de danser. Voilà. Pas chaque heure. Hein, oh là là. On va redanser. On n'a jamais dit que c'était fin. Hein. N'assume pas ce qui vient de dire. Je ne suis pas responsable de ceci. Hein. C'est pas nous qui les avons fait, c'est Mickaël. C'est pas notre responsabilité. Non. Alors, avant de passer à la suite, je vous rappelle que À vos jeux est une émission qui est en direct tous les jeudis soirs à partir de 21h pour nos hebdomadaires. On parle de plein de jeux avec un invité et une spéciale les derniers vendredis de chaque mois à 21h également où on décrypte un seul jeu en compagnie de plusieurs invités. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Pinterest ainsi que sur notre site internet www.avosjeux.ch. Et ce soir, on récolte des dons pour l'association Handy Gamers qui crée des solutions pour les joueurs en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. Pour cela, vous pouvez soit offrir des cheers, soit faire un don depuis l'onglet
faire un don qui se trouve dans la bio de notre chaîne. Ou tapez point d'exclamation voilà. Don ou donate ou don avec un S dans le chat et vous verrez le lien. Vous aurez l'explication et vous aurez le lien, exactement. Parfait, donc du coup, on va te donner la parole, Tom. Ah oui, parce que ça a été tout inversé, donc du coup, vous n'êtes plus au même endroit sur le haut, mais je regardais Chris, je dis, mais non, c'est pas Tom. Tom, mais que deviens-tu streamer passionné de jeux de voitures? Je mets tout de suite ta chaîne. Ah, on va s'entendre alors. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai réagi quand j'ai vu Alex, je lui ai dit, je suis passionné de sim racing, j'ai fait, ah, yeah. F1, oui. Grand Turismo, yes. Exactement, que deviens-tu depuis la dernière fois qu'on t'a vu? Je fais des lives toujours sur Twitch. Enfin, je faisais plus de lives en gros sur YouTube, mais maintenant je vais plus me diriger sur Twitch pour les lives et les vidéos sur YouTube en fait. Je vais vraiment différencier parce qu'avant je faisais les deux sur la même plateforme sur YouTube. Et je pense que c'est aussi pour la même raison comme vous, comme quoi j'ai plus d'interactions sur Twitch que sur YouTube pour les lives. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en général, Twitch, c'est plus pour les lives et YouTube, plus pour des vidéos, du coup. Oui, voilà. C'est un peu plus perçu comme ça, ouais, exactement. T'es sur quel jeu en ce moment? Je suis pas mal sur le nouveau Trackmania. Ah. Et t'en penses quoi? Et puis, franchement, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il est mieux que le Turbo, qui était l'ancien opus en 2016. Parle pas de Turbo, s'il te plaît. Oui. Il est pas terrible. Voilà. On est d'accord sur ça. Mais le nouveau Trackmania, il est vraiment bien. J'ai fait mon petit mon skin sur la voiture. Enfin, et puis bientôt, je vais faire des circuits. Voilà, comme. Enfin, c'est l'ADN de Trackmania. Donc, ça fait 10 ans que j'ai fait des circuits sur Trackmania. Donc là. Je vais recommencer à en faire, ça va être pas mal. Tu les montreras sur YouTube, tu feras des vidéos pour montrer tes circuits? Ouais, je pense que, à mon avis, je pense que je vais faire la création des circuits sur Twitch en live et après, je ferai des tests directement sur la chaîne YouTube en vidéo à part. Mm-hmm, ça peut être intéressant. Génial. En tout cas, j'ai vu des circuits de malades sur Trackmania déjà. C'est des trucs de malades. Et est-ce que tu es toujours en partenariat avec Melgame, qui était là tout à l'heure, qui était aussi venu dans notre émission il y a quelques mois? Je continue à jouer de temps en temps avec elle. Là, il y a eu quelques lives dernièrement que j'avais joué avec elle et tout. Mais même dans l'avenir, il y a d'autres vidéos où on sera en partenariat. Donc ça, ça n'a pas de souci. Et est-ce que tu as des projets en ce moment pour tes chaînes ou gaming ou autre? Les projets, c'est continuer à faire de l'endurance avec du WEC. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'avais fait les 24 heures du Mans. D'ailleurs, j'en avais parlé quand j'étais intervenu. Sur quel jeu t'as fait ? Je suis sur Air Factor, le premier. Ah ouais, d'accord. Et du coup, je continue à faire de l'endurance dessus. Il y a 2 mois, j'ai refait les 24 heures du Mans en temps réel. Donc, d'accord. J'ai conduit de nuit et tout ça avec, des pauses toutes les 3 heures. Enfin, voilà. On switchait avec l'IA parce qu'il y a un mode IA, on peut l'activer, la voiture conduit toute seule. Ah, ok. C'est pratique. Ouais, j'avoue. C'est l'un des seuls jeux où il y a ça. Donc, du coup, voilà, pendant 3 heures, je me repose, il y a le mode IA qui conduit, je rappuie sur le bouton, ça l'enlève, je reconduis, etc. Ça, c'est pas mal, c'est vite de switcher de pilote quand on est tout seul. D'accord. Voilà. Ok, pas mal, excellent. Coucou à tous ceux qui sont arrivés sur le live, merci de nous suivre. Merci Tom, je remets encore une fois tes deux chaînes, chaîne Twitch et chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Et je vais m'adresser maintenant à Cyril, journaliste et auteur spécialisé dans les jeux. Que deviens-tu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Ah, j'ai été en vacances. Et je joue à Fly Sim. Mmh. Ah, d'accord. Alors, je dis ça parce que c'est un problème. Depuis qu'il est sorti, en fait, je ne fais que ça. Voilà.
T'as plus de vie, c'est Slice. Non, mais c'est marrant, il y a des jeux comme ça, plus ou moins que d'autres. Et en fait, je retrouve. Moi, j'avais pas joué depuis au moins, je sais pas, 5-6 ans, les précédentes versions. Et là, je retrouve des travers. C'est-à-dire que tous les jours, je me décale de 2 heures à peu près. Je mange devant mon ordinateur. Je pense à Fly Sim 24 heures sur 24. Enfin bon, c'est. C'est terrifiant. Voilà. Excellent. Gros geek, No Life en ce moment. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Ah bah No Life, oui, d'ailleurs, c'était un nom parfait. Quoi. Faire un prime. C'est tellement ça, quoi. Quels que soient les jeux, hein, d'ailleurs. Ah, bon, alors, pour les bagnoles, je pourrais pas en parler trop, parce que même dans la vraie vie, j'ai pas mon permis, en fait. Ah, ça me rassure, je suis pas toute seule. Magnifique. Ah, alors oui, c'est vrai qu'entre Loïc, David et que c'est moi, vous on m'entendez a ou pas on m'entend. Oui, on t'entend, mais je suis désolé de vous couper. Il y a Pitchy qui a offert un Prime, donc il a offert un abonnement. Mais en fait, je sais pas si c'est Pitchy ou qui a offert, mais en fait, je suis désolé, il n'apparaît ni dans mon stream, ni sur le live. Ah oui, c'est pas affiché. Ok. Bah, merci beaucoup, Pitchy, pour ton abo. C'est vraiment cool. Je l'ai même pas dans l'application Streamlabs, donc il n'est même pas apparu. Mais merci à toi, désolé. Donc je rappelle que tout l'argent qu'on se fait avec les abos, ils seront aussi reversés à l'association Andy Gamers. C'est le deuxième ce soir, je crois, non ? Ouais, mais c'est bizarre que les primes, ils ne s'affichent pas. Normalement, ça s'affiche. Chris, c'est le deuxième hein, qu'on a eu ce soir d'abos ou c'est le premier ? Je sais pas. Il offre les primes, je sais pas. Dépassé, premier, deuxième, cinquième, je sais plus. Ah, il me semble que c'est le premier en fait. Non, je crois que c'est le premier. Voilà. Parce qu'il faut qu'on les note. Parce qu'il faut qu'on les note parce qu'on n'est pas payé tout de suite par. C'est des abonnements Prime. Hein. On touche quasiment rien. C'est des mini centimes. Mais on touche quand même, mais c'est des mini centimes. C'est les abonnements Prime. Ah, mais c'est pas la même chose que l'abo de base, c'est ça ? Non, c'est des abonnements gratuits. Mais ils offrent leur abonnement en fait, en gros. C'est cool. Merci DayZ. DayZ nous a offert aussi son Prime, mais on le voit de nouveau pas. Je sais pas pourquoi. Bon, alors ça fait deux à peu près. Mais c'est bien, il faut qu'on les note. Merci beaucoup, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on les note, parce que Twitch ne nous verse pas tout de suite l'argent. Donc nous, après, il faut qu'on avance cet argent pour donner à l'association sur ce qu'on touchera. Donc ouais, il faut que je les note absolument. Ok, merci beaucoup. Que devient Geekline, Cyril ? Ah bah pour le moment, il y avait une petite pause. Enfin, pas chez Geekline. Geekline continue à faire des bouquins. Et puis par contre, on avait le magazine sur les jeux. Donc lui, il est un petit peu en retard, on va dire. D'accord. Donc voilà. Impacté par le coronavirus ou bien même financièrement. Oui, naturellement. Ouais. En plus, il était imprimé en Espagne. Donc du coup, c'était très compliqué. Rappelle-moi, c'était quoi déjà le nom de ce magazine ? Player Spirit. Je vais mettre le lien. Voilà, Player Spirit, donc il y a un magazine qui paraît, qui est que par abonnement et qui paraît 4 fois par an. Okay. Donc voilà. Ah ouais, mais il est sur le site Geeklines en fait, donc ouais, c'est bon, ok, alors j'ai mis le site Geeklines. Okay. Ouais. D'accord. Et donc voilà, sinon ça continue. Mais bon, de toute façon, le corona a bloqué la Terre. Ouais, c'est pas évident, ça allait pas. Parce que les magazines, les journaux, comme les journaux, c'est compliqué un peu en ce moment. Ah bah oui, c'est clair, ouais. Mais bon, là, comme c'est sur abonnement, bon, en même temps, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour la fabrication, pour le transport... ça a des frais, hein, forcément. Hein. Voilà, et puis pour la vie de tous les jours. Enfin bon, voilà, en même temps, tout le monde était... Vous, je ne sais pas, mais puisqu'on en parle. Bon, en fait, je m'aperçois que je ne m'en suis pas remis. Mais qu'en même temps, je sais pas en quoi ça m'a perturbé, mais je sens que c'est plus pareil. Voilà. Tu dis ? Moi, je veux pas plomber l'ambiance. Hein. Non. Ah, mais c'est très étrange, parce que j'ai très bien vécu, comme pas mal de joueurs, j'imagine. C'est vrai que ça nous a pas changé la vie, hein, nous les geeks. Ouais. Mais blague à part, il y a un truc qui est pas reparti, j'ai l'impression. Bon, moi c'est parti, en tout cas. Après, je pense que c'est l'ambiance qui règne. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, Frédéric, fondateur de Star System, blog sur l'actualité gaming, quelle est ton actualité en ce moment ? Qu'est-ce que tu deviens ?
Ça fait pas très longtemps hein, que je suis passé déjà sur la chaîne, donc oui, ça fait quelques semaines. C'est un retour très rapide. Oui. Voilà, les vacances entre temps, forcément, ça fait du bien de se retrouver en famille. Et puis, en fait, la rentrée commence déjà très très rapidement parce que les sorties s'enchaînent, qu'on en dise. On dit qu'il n'y a pas grand chose qui sort, mais là, avec l'actualité, ça n'arrête plus. Flight Simulator, hein, je rejoins un peu Cyril, très chronophage. Hein. Trackmania, j'en parle même pas. Last of Us, que j'ai toujours pas terminé. Voilà. Et puis en plus, ça enchaîne les sorties là, de Madden, qui vient tout juste de sortir. Il y a la semaine prochaine WRC9 pour les fans de Sim Racing, qui arrive là la semaine prochaine. Donc ça va vraiment le faire. Je vais avoir la chance de pouvoir le tester, j'espère, ce week-end. Donc, une rentrée très très chargée, donc avec toujours grand plaisir pour pouvoir tester ça, faire des vidéos sur YouTube, hein, toujours sur la chaîne, et puis écrire des articles sur le blog, et puis la vie continue pour le blog avec toujours grand plaisir, que ce soit sur le blog, la chaîne YouTube, ou bien sûr sur Twitter, hein, de toute façon, vous me voyez souvent sur les réseaux. c'est Flying Simulator, le dernier jeu que t'as testé sur pour ton blog ? Oh, il dort avec. Alors, le test n'est pas encore paru, mais j'ai fait quelques vidéos. Sur le blog, le dernier, qu'est-ce que c'était ? J'ai perdu, j'en fais tellement ces derniers temps que j'arrive plus à suivre. Ah non, par contre, c'est No Straight Road. Je ne sais pas si vous connaissez. Un jeu de plateforme en fait, qui joue sur le côté musical. Qui est très très bien fait. Ça a été fait par des anciens de chez Capcom, de chez Street Fighter derrière même, entre autres. Et un jeu très coloré, un jeu de plateforme qui joue avec beaucoup de boss battles. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont eu l'occasion d'essayer, mais vraiment très chouette, vraiment essayé avec une bande-son excellente. Ok, sympa. Ouais. Je me pose la question si Flight Simulator, il joue VR. Il se fait pas VR pour le moment, en tout cas. Pas ma connaissance. Il va arriver, tu dis Alex, ok. D'accord. Alors, je sais pas, après, comme c'est Microsoft, c'est peut-être un peu particulier, parce que Microsoft... Non, mais il va arriver, il y a des bruits qui courent. Normalement, ça devrait être pour octobre. D'accord, okay. Bon, après, il y a beaucoup de modes sur le jeu, donc ça serait pas surprenant, ouais. Okay. En parlant de Flight Simulator, c'est vrai que j'en ai profité, parce que, en fait, j'en avais un, et j'ai celui-là. Oula. Excellent, ça a bien évolué depuis. Donc du coup, je l'ai réinstallé histoire de voler un petit peu et par nostalgie, parce que c'était mon premier jeu d'avion 2002, quand j'étais moi, je crois que j'ai joué en 2003. Ça je crois que c'est 2004 le plus. Le dernier qui était sorti, c'était le 2004, il me semble. Mais par contre, là, le dernier est beaucoup plus accessible. Hein. Ouais. Ah, oui, graphiquement parlant exact. Aussi, c'est une claque. Par contre, il faut avoir une grosse machine. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'ai si tu veux, Flight Simulator. Le problème, c'est que j'attends d'être bien équipé quoi. Au niveau des manches à gaz et tout. Ouais. Parce d'accord. que clavier souris, c'est un peu voilà. C'est pareil, il faudra le matos qui est adapté. Ouais, j'y pensais Alex, quand tu parlais de volant tout à l'heure, et je me disais, bah oui, en effet, même quand on est valide, il y a des jeux. Fly Sim, c'est vraiment le truc au clavier. C'est une horreur. Hein. Mmh. Et même avec une manette, quand on a une manette et qu'on passe. C'est une horreur. C'est pas ça. J'attends de me commander un joystick là. C'est. D'accord. C'est quasi obligatoire, oui. Et Fred, toujours papa gamer? Ça toujours pas changé, papa ça. Gamer. la rentrée arrive, voilà, donc il faut bien préparer la rentrée. C'est donc, ça justement, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la rentrée ? C'est surtout que c'est la première rentrée de ma petite, donc il faut bien préparer, on va dire psychologiquement, à dire attention, plus de nounou, c'est bientôt la rentrée. Donc forcément, mais non, je suis confiant parce que voilà, elle a envie d'aller à l'école. Donc, et en plus, on voit beaucoup de livres là, puisque vous le savez, hein, je fais des chroniques aussi de livres pour enfants, et il y en a pas mal sur la rentrée, donc ça permet aussi de préparer en douceur aussi la rentrée. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Fred. Juste pour la petite anecdote, avec Fred, on se voit aussi les mardis soirs. Ah, d'accord, ok. Oui, ça nous est arrivé, ouais. Okay. J'espère que ça va reprendre à la rentrée. Ouais, ah, bah oui, plaisir, ouais. Hein. Avec plaisir. Excellent, parfait. Bon, allez, Loulou, c'est l'heure du deuxième giveaway de ce 24 heures. Le et le giveaway maintenant c'est sur le jeu Tri 6 Infinite, un action occasionnel indépendant course automobile. C'est le jeu à gagner.
Oh. C'est le jeu à gagner. J'ai entendu jeu dit auto. T'as dit le jeu maintenant. Ah, moi aussi, alors là. Non, oui, pardon, le jeu à gagner maintenant. Oui, pardon, effectivement. On n'a pas le droit de jouer, nous, pourquoi ? Non, alors l'équipe d'info, je n'ai pas le droit de jouer, mais par contre, les invités, ils ont le droit. Mais toi, David, non. Si tu joues et que tu gagnes, ce sera le deuxième qui remportera. Ah, bah oui. On va jouer, là. Ah ouais, c'est normal. Donc, on rappelle, vous mettez point d'exclamation play dans le chat pour jouer, pour espérer pouvoir gagner ce jeu Tricis Infinite, qui, je rappelle, est un action occasionnel indépendant course automobile. Vous avez encore quelques secondes pour vous inscrire pour ce jeu. Je rappelle que le premier qui arrivera en bas de ce circuit remportera ce jeu. Tricis Infinite, point d'exclamation play. Allez, on y va, il faut participer. C'est une course complètement endiablée qui vous attend. Dans quelques secondes, le départ sera donné et le premier qui arrivera en bas du circuit remportera le jeu. Attention, là, ça va être du sim racing, mais avec des boules de golf. Exactement. Oh, tu es allé trop fort. Fred, mec, c'est pas toi qui as dit que tu gagnais toujours avant et maintenant tu dis que je gagne jamais. Alors, je pars Tom, dernier en plus. Ouais, alors Tom, franchement, on dit pas les derniers arrivent premiers, non, il n'y a pas un truc comme ça. Si, ouais. Au premier des derniers. Allez, on y va, point d'exclamation play dans le chat. Si vous voulez participer. Encore quelques secondes, dépêchez-vous si vous voulez participer et espérez gagner ce jeu action occasionnel indépendant course automobile. 10 secondes, c'est trop tard, c'est fini, c'est parti. Vous n'êtes pas beaucoup, mais allez. On va voir qui c'est qui gagne. Le parcours. Allez, moi je vote. On vote pour qui ? Moi je vote que c'est Mika qui va gagner. Alors, il est bien arrivé devant, hein. Dans une boule ici, comme vous voyez. Donc attention, ils vont tourner dans la boule. Ah, peut-être que j'ai plus de vitesse. Et on a un parcours de psychopathe dans le fond, vous allez voir. Oula. Alors attention. Ça promet le parcours. Ouais. Qui c'est le premier qui va descendre ? Attention, qui c'est le premier qui va descendre, qui va nous c'est arriver prenant. Dans la tranche. Oh ouais, il y a du suspense, là. Oula, et allez. Attention, qui c'est bonne qui chance à tous, Alexandre, effectivement. Non, ah, Alexandre, oui, je crois que c'est Alex qui va arriver. Alexandre, The Gamer, qui arrive en premier, suivi d'après de Pitchy. Oh là là. Tom. Oh, on dirait le temps, quoi. Ah là là, c'est attention très de ne pas prendre des virages trop hauts pour ne pas passer en dehors du circuit. C'est là surtout que ça va être compliqué. On a des boosts qui peuvent vous faire sortir du parcours. Aïe aïe aïe. Alex, toujours premier. Aïe. Et c'est Pitchy en deuxième. Tom en troisième. J'avais cru que j'étais tombé. Attention, c'est pas passé loin. Arrive, et là, il va y avoir un ralentisseur. Qui c'est qui va se faire ralentir ? Est-ce qu'Alex va se ralentir ? Oh, Alex passe tout droit. Magnifique. Oh, les trois sont passés tout droit. Oh là là, moi je suis à fond dans la frayeur. C'est toujours Alex qui est en tête. Ouh, il vient d'être freiné. Ouh là là, Pitchy, Tom. Oh là là, c'est Pitchy, oh là là. Tom. Ah. Voilà, ça va être serré avec Star System là. Fait Pitchy. C'est DayZ, mais il y en a chaque heure pratiquement. À chaque heure de Just Chatting, il y aura des prix à gagner DayZ. Donc voilà, il fallait. Dernière ligne droite. Attention, alors là, c'est traître, hein, ça. Vous voyez là ce qui arrive, c'est traître. Oh là là. Star System, Tom Pitchy avec dans un mouchoir de poche. Qui c'est qui tombera dans le trou en premier ? Et c'est Tom qui gagne. Star System, deuxième. Alexandre, troisième. Ah ouais. Redneck, quatrième. Mikachu, cinquième. Yes. Pitchy, sixième. Le premier, excellent. C'est Tom qui a gagné Star System. Alors, c'est. Attends, il c'est me faut finalement, t'avais raison, hein, Zoé. C'est. Ouais, le dernier qui est arrivé premier, tu vois. Voilà. Comme quoi. Comme quoi. C'est Tom qui est arrivé premier. Il faut que je te note. On peut Tom, voir. Je vais t'envoyer les instructions. Vraiment, je suis dans un mouchoir de poche. Hein. 20 secondes de retard pour le dernier. Ah oui, il y a les millisecondes et tout là. Ah ouais, c'est vraiment serré. Premier, hein. Ah ouais. Alex qui est quand même troisième, mais il était à 4 dixièmes. Il était loin devant. J'aime bien parce qu'on va se donner les jontres. À l'arrivée, quoi, là, le podium. Tom, je t'ai envoyé un MP sur Twitch. Il faudra simplement suivre les instructions. Vous avez tout le temps. Hein, le gagnant d'avant m'a posé la même question. Vous avez tout le temps. C'est juste qu'il faut qu'on s'ajoute en ami sur Steam pour qu'on puisse vous offrir la clé. Parce qu'il s'agit bien de jeux Steam. Bravo Tom, tu as gagné Tricis Infinite. Magnifique. Merci. On va pouvoir passer avec plaisir. On va pouvoir passer à la suite. Et ça discute. Ça discute. Cut, discute. On n'a pas eu besoin de le changer. Ça toujours marrer. Voilà, exactement. Celui-là, il fonctionnera toujours. Alors, ça discute.
J'avais envie de commencer avec un sujet pour le handi-gaming. Est-ce que les personnes en situation de handicap sont suffisamment représentées ou intégrées dans les événements gaming? C'est la question que je vous pose. Qui c'est qui a envie de prendre la parole en premier sur ce sujet? Stylose. Moi. Alex, je pense que tu es le mieux placé d'ailleurs. Alors, faut savoir que moi, l'année dernière, c'était ma première Paris Games Week. Et j'ai été pendant toute la semaine quasiment avec le stand Handy Gamer. Et qui dit première Paris Games Week en même temps, je me suis baladé un peu partout. Et même lors de la soirée presse, on a vu pas mal de gens en fauteuil. Et David me disait plus que l'année dernière. Donc je pense que ça commence à s'ouvrir. Après, malheureusement, au niveau des compétitions, on en est très loin. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans le sim racing, par exemple, je vais parler pour mon cas, les compétitions officielles, c'est-à-dire en LAN, sont très compliquées. Parce que comme j'ai du matériel adapté, difficile de montrer que c'est adapté parce que les gens peuvent croire que tu triches en fait. Bah ils croient que ça t'arrange, mais en fait pas du tout quoi. Voilà. C'est juste du matos adapté quoi. C'est ça. Et en fait, les gens peuvent croire que t'as un avantage alors que en fait pas du tout. En fait, je pense que tant que t'as pas assez de personnes handicapées qui viennent avec ce genre de truc. Bah la question elle se pose pas quoi. Faudrait que vraiment qu'il y ait un pilote, tu vois, j'espère que ça va être moi dans l'avenir, mais faudrait vraiment qu'il y ait un pilote qui arrive avec son matos et qui dit bon bah voilà les gars, je suis qualifié à votre compétition, maintenant faut que je roule quoi. Et là plus il y aurait de cas comme ça, plus je pense que l'intégration se ferait. Maintenant, je rebondis. C'est vrai que l'e-sport, enfin, au niveau des salons, c'est beaucoup plus ouvert que il y a 4-5 ans où on n'entendait pas du tout parler de handicap. Je pense que depuis que Xbox a lancé ce mouvement-là, tous gamers. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à en parler le plus souvent. Mais avant, t'en entendais pas parler. Mis à part des assos comme David ou Cap Game ou ce genre de choses. D'accord. Tu penses que ça a quand même évolué par rapport à il y a quelques années en arrière? Ah ouais. Franchement, moi j'ai été à la Gamer Assembly à Poitiers il y a... La première en 2017, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes en fauteuil, je crois que j'étais la seule d'ailleurs. Okay. Mais tu vois que le monde du jeu vidéo commence à s'ouvrir et tu as plus d'interactions. Même, on parlait tout à l'heure de mon volant, tu vois, et même les gens valides s'intriguent de ce genre de système et veulent essayer. Donc ça veut dire qu'il y a un pas de fait. Et malheureusement, il va falloir que continuer et mieux pour... tant mieux pour nous. Mais c'est vers la bonne voie, je pense. J'ai une question pour Stylose. Toi qui fais un peu des événements du gaming, est-ce que tu vois un peu ça ou pas du tout? Tu côtoies un peu cet univers? Alors, je dirais que peut-être ça dépend au niveau des pays. L'année dernière, j'ai pu faire une quarantaine d'events en Europe principalement. Ouais. Par exemple, en France et puis un petit peu en Suisse, il y a quand même des structures. Ils font quand même un peu les choses pour accueillir et avoir des structures. Après, il y a beaucoup d'events où c'est quand même des marchés niches où ils ont peut-être pas forcément les moyens ou l'envie des fois de mettre ça. Et je trouve que ce serait bien de continuer, comme disait Alex, d'avoir peut-être des joueurs clés ou des personnes qui ont peut-être plus de résonance pour continuer à appuyer puis à pousser les organisateurs ou les développeurs à mettre le ou les organisateurs de exactement.
Ouais. Mais je trouve que c'est hyper bien bah, justement qu'il y ait ce genre de live et puis qu'on puisse donner la parole à des personnes qui connaissent le sujet. J'espère vraiment que dans l'avenir, il y aura plus de structures et plus de choses qui seront faites pour mettre la lumière sur ce domaine. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la Paris Games Week, bon, ils ont fait des efforts, mais c'est pas encore ça. Il y a des endroits où t'as du mal à aller quand même. C'est mais difficile. C'est quoi le meilleur événement pour accueillir les personnes à mobilité réduite? Je dirais la Gamer Assembly est pas mal. Je sais pas si tu l'as fait, Stylouze. Après. J'ai pas fait la Gamer Assembly l'année dernière. Au niveau event gaming pur, j'ai pu faire la Paris Games Week parce qu'il y avait l'événement de CD Pred. Je fais beaucoup d'événements qui sont plus Japanime, comme Japan Expo. J'ai fait la CNU aussi cette année en France. J'ai fait une dizaine d'événements et je dirais qu'il y en avait deux ou trois qui ont peut-être des plus gros. La PGW commence à être. Ouais, ils ont déjà une structure qui a l'air d'être de base plus adaptée, comme le parc Villepinte pour justement accueillir les personnes en handicap. Ouais. Après, les plus petits events, des fois, c'est un peu difficile. Hein. J'ai fait un événement, c'était où en Lettonie, à Latvia, à Riga, justement, sur le gaming. Et je voyais justement des personnes qui étaient en fauteuil roulant, qui n'arrivaient pas à rentrer dans l'event parce qu'il n'y avait pas les structures. Donc c'est vrai que je pense que le fait d'en parler, d'avoir des personnes qui ont de la visibilité, de la résonance et qui ont un pied dans le milieu plus professionnel, ça permet de faire bouger les choses et c'est vraiment bien. Et moi je vais même aller plus loin, tu vois. Je vais pas parler de gaming là pour cet événement là, mais il y a un truc au niveau de la Formule 1 qu'on a récupéré en France qui est le Grand Prix de France. Et j'y ai été pour la première année lors de son retour en France en 2018. Et j'ai pas pu assister une seule fois du week-end à la fan zone. Je vais vous expliquer pourquoi. La fan zone, c'est là où se retrouvent tous les fans pour avoir des petits goodies, etc. Jusqu'à là, on est d'accord. Mmh. Et l'organisation a eu la bonne idée de mettre des graviers au niveau du parcours, mais tu sais, des graviers en gros cailloux comme ça, où tu t'entasses bien et où tu t'embourbes même. Ouais, moi, j'ai des potes, ils ont été obligés de me pousser mon fauteuil électrique pour donner de l'impulsion au fauteuil parce que sinon je patinais. Okay. Ouais. C'est hallucinant quand même qu'ils aient même pas pensé. Enfin, je veux dire, c'est fou quand même. Alors, ça a beaucoup été critiqué pour ça d'ailleurs, le circuit au niveau de l'accessibilité, comme quoi. Au Paul Ricard. Bah déjà, il faut y accéder en voiture. Hein. Ouais, aussi pour ça. Il y avait beaucoup de bouchons, enfin. Ah ouais, le circuit mal placé, donc forcément ça aide pas. Si je peux me permettre par rapport aux events, moi il y a deux choses que je voudrais dire. Et en fait, il y a déjà la partie organisation et la partie représentation. La partie organisation, la Paris Games Week, quoi qu'on peut en dire, c'est top. Il y a quand même des grandes allées. Donc déjà, par rapport à l'accessibilité, c'est plutôt pas mal. Alors c'est sûr que vu la configuration, il y a, pour passer d'une grande salle à une autre, il y a des escalators. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation de salon, la Paris Games Week est quand même parmi les mieux placés. Parce que pour avoir fait pas mal de conventions, on va dire geek, il y a des salons où comme c'est de la rentabilité à mort et on met des stands de partout, c'est des petites allées et malheureusement des personnes qui ont un handicap ou qui sont en fauteuil ont du mal à se déplacer. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Par rapport à la représentation, heureusement qu'il y a des associations comme Handy Gamer ou Cœur de Gamer par exemple qui mettent en avant l'accessibilité dans les jeux vidéo et c'est vrai que malheureusement ils n'ont pas beaucoup de place dans les salons. Alors est-ce que c'est dû à l'organisation qui ne leur laisse pas la place parce que les stands coûtent très cher à être alloué, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'associations aussi, parce que malheureusement, c'est un peu ça aussi, ils ne sont pas beaucoup dans les associations, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et ils ne peuvent pas aller partout. C'est clair, l'année passée, il y a eu 7 stands pour le handy gaming, donc ils ont ouvert plus l'espace, mais c'est vrai que ce n'est pas une grosse représentation. Ça coûte et oui, c'est ça le problème. Un stand coûte une blinde,
c'est... Ah, complètement, et, ça coûte très très cher. Ils font pas de différence que tu es d'une association ou pas. Hein. Mais ça, ils devraient quand même, excuse-moi de te couper, mais je trouve que ça devrait être obligatoire quand on est une association à but non lucratif pour des personnes en situation de handicap, que l'espace au sol, il n'y ait aucun frais. Parce que quand on voit les frais déjà que ça coûte pour aller à un event, il nous disait justement 2000 euros le déplacement, etc. Je trouve que ce serait le minimum que les organisateurs laissent la gratuité sur des espaces comme ça dans un event. Alors il y a certains événements, ils font ça, hein, donc ils offrent des espaces, genre c'est des tables, c'est peut-être un mètre carré, mais ils offrent ces espaces. Mais c'est vrai que les gros events... Mais si t'es placé au fond, voilà quoi. Comment tu peux présenter des manettes et du matos comme ça, comme on fait pour du handy gaming, dans un espace d'un mètre carré, c'est pas possible. Tu vois, Fred, si t'as déjà été à la PGW, tu sais comment elle est faite comme moi. Je sais pas si t'y as déjà été. Oui, j'y ai été plusieurs fois, ouais. On est sur le stand joué comme vous êtes. Pourquoi ? Parce que... je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que... plus souvent, c'est ce stand-là est fait pour les familles et les enfants. Et justement, les familles qui ont des enfants handicapés viennent là pour justement avoir des renseignements, etc. Donc, je pense que l'espace joué comme vous êtes, il est bien comme il est. Après, plus grand, je pense pas que ce soit une bonne solution parce que, bon, moi je vais dire, il était pas si... On avait une petite allée, certes, mais elle était suffisante. Faut pas demander non plus... Enfin, on avait quand même du monde sur les 5 jours. Oui, mais c'est sûr qu'après la question d'emplacement, Loïc a raison de le dire. C'est-à-dire que les stands ne sont pas forcément aux meilleurs endroits. Dans ce genre d'événement, je prendrai l'exemple. Alors, il y a une excellente initiative de la part d'Xbox. Tu en as parlé tout à l'heure, Alex, de Tous Gamers, qui a été quand même, je pense, à mon avis, certainement le tremplin de la mise en avant de l'accessibilité en France. Et c'est vrai que ça a été représenté sur le stand Xbox, mais c'est vrai que c'est encore une toute petite partie. C'est un bon début. Ça s'améliore, mais on n'est pas encore sur une grosse expo. La partie Xbox, la première année qu'ils ont fait le Tous Gamer, si je peux me permettre, excuse-moi de te couper, Fred. Faut savoir qu'ils avaient fait un monde charge. Oui, je l'avais vu. Ouais. Le monde charge, ça fonctionnait pas parce que au niveau du poids du fauteuil, en fait, il bloquait. L'ascenseur était bloqué, donc ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Et pour vous dire, l'année dernière, je l'ai pas vu le monde charge, donc je pense qu'il a été gentiment retiré. Oui, ils ont essayé, ça n'a pas marché apparemment. Ouais. Les autres, un avis sur la question, Loïc, David ? Je trouve que les personnes à handicap ne sont pas vraiment représentées dans les salons. En tout cas, j'en ai fait très peu. Il y en a un près de chez moi qui s'est déroulé il y a quelques années. Il y a eu plusieurs éditions. Je ne me souviens pas d'avoir vu un seul stand pour personnes à mobilité réduite, par exemple. Ouais. Mais tu parles de ça il y a combien d'années ? Il y a 4-5 ans. Ouais, il y a 4-5 ans, on parlait pas encore du handicap dans le gaming. Ça s'est vraiment démocratisé depuis, moi j'ai envie de dire, 2-3 ans. Ouais. Oui, mais après, Loïc, je pense qu'il pense, il parle de conventions geek qu'on peut retrouver d'un peu partout en France. Et malheureusement, dans ces conventions-là, on voit très très rarement de stand qui explique ce qui est l'accessibilité dans un jeu vidéo, quels sont les projets des joueurs à mobilité réduite ou avec certains handicaps qui peuvent jouer et qui ne sont pas montrés. Après, moi je sais que j'ai vu en parallèle de David et KBM, donc j'ai vu Dragonium. Dragonium, c'est quoi ? C'est un jeu qui est fait pour les malvoyants. Je crois. Tu voulais dire quoi, Cyril ? Ouais. Vas-y, Cyril. Oui, pardon. Non, je disais juste qu'il y a aussi pas mal de salons geek. Parce que bon, la PGW, c'est un gros gros truc. Mais en province en particulier, il y a beaucoup beaucoup de petits salons
qui sont tenus par des associations, des trucs comme ça. Et bon, ils n'ont pas les moyens, quoi, très clairement. Voire, ils n'ont pas non plus l'expérience. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas confronté à un cap, on n'y pense pas, tout bonnement. Et du coup, bon voilà, c'est juste une remarque comme ça pour... C'est une remarque pertinente, parce que c'est vrai que des fois, les plus petits salons, il y a déjà tellement de choses à gérer, c'est tellement énorme en termes d'organisation, des fois c'est difficile. C'est ça. Je pense que peut-être la solution, ou du moins ce qui me viendrait plus en tête, ce serait que les gros acteurs de la scène gaming, les grosses boîtes de jeux, aient peut-être plus la volonté de le mettre en avant par le biais de leurs events, parce que sur n'importe quel salon, il y aura des stands Sony, Xbox, etc. Et ça devrait peut-être une offre qui s'automatise. Un espace réservé pour les personnes handicapées, parce que si c'est pas que des petites associations qui peuvent faire ça, en fait, faudrait que ça rentre plus dans les consciences, mais j'espère que les mentalités, c'est en train de changer, mais ça prend du temps, notamment avec j'en profiter qu'on parle d'accessibilité aussi. L'année dernière, j'ai participé à un Tour de France, en fait. T'as une bande de potes qui a traversé toute la France, a rencontré 10 personnes en situation de handicap. Je peux vous donner son Twitter si vous voulez. C'est ChrisLiberty93 avec un tiret du 8 entre Liberty et 93. Et ce mec-là a fait un documentaire sur 10 joueurs en situation de handicap. Bon, cette année, il n'a pas fait de 3e édition. Mais il en a déjà fait 2, et c'est vraiment une aventure humaine. Et c'est là que c'est dans ce genre de documentaire qu'on peut montrer aux éditeurs qui peuvent voir ce documentaire. Ah bah lui, il joue à tel jeu, il a besoin de ça, hop, on va essayer de faire comme ça. Enfin, et je pense que c'est grâce à des actions comme ça, et celle de David et même d'autres, que le monde, on le voit, hein, le monde est en train d'évoluer. Bon, pas auprès de tous les constructeurs, hein. Je pense à Sony. Hein. Oui, effectivement. Effectivement. Qui est très en dessous par rapport à ça. Apparemment, de ce que j'ai entendu dire par cette même personne, Chris, il y aurait des choses pour la PS5. Mais je sais pas. Okay. J'ai beaucoup d'a priori par rapport à ça. Parce que moi, faut savoir, sur les réseaux sociaux, je descends beaucoup PlayStation. Et certains vont me dire, oui, je suis fanboy Xbox. Non, c'est pas le cas. Moi, j'ai toutes les consoles à la maison, j'ai un PC, tu vois. Mais. Le problème, parce que moi j'ai pas besoin de manette adaptée comme tout le monde, j'arrive très bien à jouer avec une manette standard, mon problème c'est vraiment les volants. Et la manette PS4, parce que faut savoir, j'ai une tablette intégrée à mon fauteuil en fait, et quand je pose la manette PS4, les boutons R2 et L2, quand tu poses ta manette sur une table, dès que tu veux faire une action avec R2 et L2, c'est tellement des gâchettes un peu ouvertes comme ça, qu'elles s'appuient toutes seules. Mmh. Et c'est vraiment chiant. Tandis que la manette Xbox, désolé, on parle pas de l'adaptatif contrôleur, on parle juste de la manette en elle-même. Moi, je suis pas payé, hein, mais il y a que ça de vrai, hein, la manette Xbox. Ouais, ouais, voilà. Voilà, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Moi, je suis pas payé, et puis la manette Play, quoi. Je suis pas payé. Moi, j'ai d'autres manettes, j'ai aussi une vieille manette comme ça. Ah, voilà, majorité Xbox, allez. Xbox. Non, mais la manette Xbox, en fait, il y a un petit rebord qui fait que les gâchettes sont un peu plus rentrées. Ouais, c'est creux. Quand tu poses la manette, les gâchettes ne gênent pas vu qu'elles sont dans un emplacement
Ah oui, le décalage, il n'y a pas photo. Ouais. Hein. Parfait, ouais. Bah, c'est sur ces bonnes paroles. Merci, merci voilà. D'avoir, vous êtes prêts au jeu, d'avoir alimenté ce sujet, ce débat. Ouais, voilà. Du coup, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Pinterest, ouais. Ainsi que sur notre site internet www.avosjeux.ch. Avosjeux, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, c'est une hebdomadaire. Tous les jeudis soirs à partir de 21h, on vous parle de toutes sortes de jeux et avec un invité. Et c'est une spéciale les derniers vendredis de chaque mois à partir de 21h également, où on décrypte un seul jeu en compagnie de plusieurs invités. Ce soir, c'est très spécial. Aujourd'hui, c'est très spécial puisqu'on récolte des dons pour l'association Handy Gamers, qui crée des solutions adaptées pour les personnes en situation de handicap. Donc, on vous invite vraiment à vous montrer généreux ce soir. Tous les dons, les cheers, n'importe quoi, seront reversés intégralement à l'association. En bas, vous avez le petit bouton voilà. « Faire un don ». Faire un don dans la bio, exactement. Comme je disais, je vais faire un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y en a qui viennent d'arriver en cours. L'argent va nous servir à déjà acheter du... pour les matériels au niveau des manettes que crée David, mais aussi pour aider les joueurs en situation de handicap à participer aux événements. Voilà. Donc, que ce soit la Paris Games Week, ou la Gamer Assembly, ou autre chose. Comme je le disais, parce que la petite histoire, et après je vais finir là-dessus, après je laisse la parole. La petite histoire, c'est que les 2000 euros que je parlais tout à l'heure, c'est juste les aides humaines. C'est pas le véhicule, c'est pas... alors que t'as plein d'autres choses derrière. Mais là, on t'as l'essence, t'as la nourriture, t'as l'hôtel. Mais là, on a bien commencé. Là, on est à 51 francs 75. On est... Ouais, t'as l'hôtel, t'as etc. Et Xbox, parce que je suis très en contact avec Xbox, du coup. Et il y a un mec de Xbox qui est venu me chercher. Florian, si tu nous regardes, ça m'étonnerait que tu nous regardes, mais je passerai l'extrait. Il est venu me chercher et il m'a dit écoute, nous on veut bien, on a vu que tu faisais une cagnotte litchi pour moi, et ils m'ont dit on a vu ta cagnotte, on a vu ton projet, on a vu pourquoi tu venais à la PGW, nous ça nous tient à cœur de nous aider. Deux télé, ils m'ont dit, et on te paye soit l'hôtel soit le transport. Je dis écoute, je crois que David il me merci paye Tom. Merci beaucoup. Il me paye l'hôtel. Merci Tom. Et je dis, l'idéal, ça serait le transport, quoi. Donc, ils m'ont payé intégralement tout mon carburant et ils m'ont aidé pour la location de la voiture aussi. Magnifique. Merci beaucoup, Alex, pour ces précisions. Ouais. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire un don. Encore merci Tom pour ton don. Vraiment sympa. Merci. Et merci on va pouvoir passer. Et on va pouvoir passer à un nouveau quiz. Le quiz. Ah, je l'ai eu. Et c'est David qui nous propose un quiz musical. Donc, comme d'habitude, on va entendre un extrait. Laisse-le présenter. Ouais, vas-y, on fait. Vas-y, David. Vas-y, vas-y, en fait, c'est vrai que t'as rien dit depuis tout à l'heure. Allez, vas-y, t'as David. T'as pas parlé, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Non, donc ça sera un quiz musical. Ben, vous devez retrouver avec un extrait de 45 secondes sur... une série, un film, un jeu vidéo ou un c'est animé. Par rapport à un jeu ou un film, ouais. C'est pas ça. Très fort à ça. Enfin, on verra. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ce qui est jeu vidéo, je pense que je... Ouais, vous êtes prêts, c'est ça? Tu me dis quand je lance, hein, David? Ah, lance. C'est parti. C'est parti. Nioh. Et ça aussi. Fantasy, Pikachu et Eevee. Pas tous en même temps. Plague Tale. C'est pas un film de guerre, ça? Ça me dit quelque chose. The Sun's Creed. Oui. Mais lequel? Ah. Alors ça doit être le 3, alors. C'est le 3, c'est bien joué. C'est qui c'est Fred, qui a dit 3? Ok, un point pour Fred.
Mais il y a quand même un demi-point pour Stylus, il y a quand même trouvé Assassin's Creed. Quand même. C'est vrai, je vais dire un point. Après, ça va être compliqué. Allez, pour... petit point. C'est vrai que j'ai pas dit avant, mais il y avait une égalité sur mon quiz entre Cyril et Chris, ça, par ça. Hein. Donc, ah, les hommes à abattre, là, c'est Cyril et Chris. Grey's Anatomy. Ah oui. C'est qui? C'est Alex qui a dit. Hein. Ouais, c'est Alex. Bravo. Ouais. Bien joué. Bien joué. Ah, c'était c'est assuré, rapide. J'entendais à peine. C'est rapide. Rapide, c'est parti. Next. Oups. Ah. La grande vadrouille. On a fait trop ouais. Ah oui, c'est lui. Ouais, putain, j'ai bien fait la grande vadrouille. Mais... Ah, moi, c'est juste sur la grande vadrouille. Genre d'Arnaud Saint-Tropez, non ? Oui, genre d'Arnaud Saint-Tropez, ouais. Ouais. Bon, c'est un de finesse aussi. Il veut plus s'arrêter le son. C'était quoi, David ? C'était ça, mais je sais pas qui c'est qui a dit en premier. Je crois que c'est Frédéric, mais. On l'a dit. Il me semble. Alors, Fred, hop, un deuxième point pour Fred. Les gendarmes de Saint-Tropez. You are my friend. Tony Hawk. Oh mon gars. Naruto. Naruto. Naruto, moi. C'est qui Naruto, Naruto c'était ça? Ouais, mais ça non plus. Hein. Qui Loïc en premier? C'est Loïc qui a dit en premier, ouais. Loïc. Ouais. Pas, là, vous êtes trop rapide, hein, c'est pas possible. Hein. Trop rapide. Ne trichez pas dans le chat. Il y a quand même il y a des bonnes réponses de temps en temps. Ouais, mais. Ah, mais je connais ça, ça, c'est une série. C'est Mission Impossible. Non, c'est James Bond. James Bond. Ouais, c'est James Bond. Non. Ah, mais il y a plein de musique. C'est une série, je crois. Non, c'est un film. Putain, laisse démarrer un peu la musique. Ça ressemble pas à ça. GoldenEye 64. Ça me dit trop quelque chose, mais... Moi aussi, mais j'arrive pas à donner. Ah, Marvel! Avengers! Non. Iron Man! Non. C'est Spider-Man. C'est un Marvel! Ça m'énerve! Thor! Non, c'est pas Thor. C'est pas un Marvel. Mais c'est lequel? C'est les X-Men? C'est les X-Men, non, c'est pas X-Men. C'est pas un Marvel, j'ai dit. Bah, X-Men, c'est un DC. Non, c'est Marvel. Batman. X-Men, c'est Marvel. Ouais, exactement. Oui. Aquaman. Ah merde. T'as un film. Ah. Flash. T'es pas Matrix. Vous trouverez pas, c'est pas un Marvel ni un DC. Ah j'étais sûr que c'était un de ces trucs. Spawn. C'est pas un truc de super-héros alors. Non. Ah oui, c'est le gars qui est en. Ah, c'est l'anglais qui est genre agent secret là. C'est ça. Oui, Kingsman. Kingsman. Ah, c'est Kingsman. On va offrir le point à Zoé quand même. Attends, on va être fair play, l'a trouvé sans trouver le nom. J'adorais ce film d'ailleurs. Et c'est lui un point. Ouais, merci. Oui, on lui l'a. Ce sera le seul point des 24 heures. Donc... Il y a Juline qui crie devant son PC. Putain, j'adorais ce film. J'ai adoré ce film d'ailleurs. Ah, j'ai adoré. Franchement. Très bien. Bah, next. Ah oui, Zelda, Mario. Les Sims. Oh. Ouais, j'avoue que ça peut ressembler au truc des Sims. Ça, enfin, ça ressemble à un truc... Ça c'est du Nintendo, un ça. Truc Mario, ouais. Ouais, un truc Nintendo, ça. Donkey Kong, non. Animal Crossing, non. Non. C'est un Mario quelque chose, un truc comme ça. Je sais pas. Enfin, c'est un jeu vidéo, en tout cas. C'est Nintendo, c'est sûr. C'est une musique ouais. Type 8 bits, c'est clair que c'est Nintendo, mais... Ah oui, le son, oui, c'est... Mais lequel, maman C'était Secret of Mana. Ah, oh oui. Okay. Personne qui a bien répondu, là, ok. Je connaissais pas. Oh là là... Un mec. C'est un manga, enfin un animé, je pense. Ah, ouais. C'est Naruto Shippuden, je sais pas quoi. My Hero Academia. Oui, il y a, bien sûr. Bleach. Si j'avais les réponses, faut donner. Bleach. Bleach, il y a... Death Note. Bon, il y a Zaku, il a raison. Bleach. Bleach,
Ah, mais Chris a été le premier à le dire, hein, si jamais premier, Bleach. Il l'a dit une fraction de seconde. Non, il l'a dit une fraction de seconde avant qu'il apparaisse sur le chat. J'ai pas le chat sous les yeux, donc. Non, mais je te promets, tu l'as dit une fraction de seconde avant que Bleach apparaisse. Ouais, Bleach. Bien joué, Ya, bien joué, Chris. Ah oui, Les experts, non? Ouais, c'est ça. Alors, ça m'a l'air d'être bien. C'est les experts, hein, mais c'est. Ah, joli. Ah. Alors, qui c'est... elle a dit quoi, Zoé? Les experts. Les experts. Lesquels? À Miami. Miami. Bah, c'est pas ça. C'est à Manhattan. Ah. À New York. New York. Ah, c'est moi. C'est à Manhattan. Non, bah je m'octroie quand même un point. Bah oui, comme Stylo, je lui ai donné un point parce qu'il avait trouvé le jeu, mais il n'avait pas le. C'est vrai. Mais c'est il n'y en a pas un justement qui s'appelle juste Les Experts. Bah, oui, il y en a un, c'est juste Les Experts. Il y a pas... Ah, le tout premier, je crois. C'est voilà, Las Vegas, c'est juste ça, si. Les Experts à Fribourg. Les Experts à Fribourg. Non, mais il y a eu plein de versions en vrai. Il y a même eu Les Experts à Paris, je crois. Il y a Yaoundé aussi. Non, c'est... J'aimerais bien voir. C'est il a raison, il y a les experts de base, c'est la musique de The Who, effectivement. Ouais. Oh là là. Et attends, le pire, c'est que je sais même pas si je l'ai. Ah mince, il marche pas le deck band, mais je crois que je l'ai en plus de musique de... des experts. Quand le vent s'élève et m'appelle, sifflant dans le ciel. Ah, il y a Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2. Alors, comment elle s'appelle celle avec les cheveux longs là? Pocahontas. Réponse. Ouais, réponse. C'était réponse, c'est ça? Non, c'est Loïc qui a dit rebelle. Oui. Ah, rebelle. Ça commençait par un R aussi, tout coup. Il était presque, Tom, tu peux le faire. One next? Ouais. Et pour l'instant, j'ai rien. Hein. À qui 80? Ah, frère Armageddon. Scott, c'est ça? Frère Scott, bien joué. Ah, bien d'accord. Joué, Ya. Mais décidément, il nous détrône là. S'il y a un vainqueur, c'est Ya, hein, ce soir. Ah, il a lancé Shazam, en fait. Il écoute comme ça, live. Ouais, ouais, en fait, t'as les sans Chris, mets-nous le Yeah Rock, là. J'arrive pas à ouvrir, parce que je l'ai, en plus. Non, hein. Oui, c'est trop le bordel pour aller sur le Yeah Rock. Oh, merci, Pompon. Ah, merci, Pompon Cucu. De quoi? Oui, c'était celui-là, c'était ça. Merci Pompon Cucu pour ton raid avec 58 personnes. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live en ce moment-là. C'est en train de monter, les chiffres sont en train de monter. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette spéciale 24 heures de live. J'imagine que Pompon Cucu vous a expliqué. Il est là, il attend de rentrer, il est là. Voilà, exactement. Il va arriver dans une minute exactement. Allez, un dernier extrait. Vous pouvez jouer aussi, vous, chez vous, un extrait musical et vous devez savoir si c'est quel jeu, film, série ou autre qui est diffusé. Oh, Pearl Harbor. Bien. Ah oui, ah oh, punaise, voilà, bien joué. C'est qui l'a dit? C'est Fred, c'est ça? Ah ouais, bien joué. Et Fred qui remporte le quiz. Bonsoir tout le monde. Connaissez la musique, mais j'avais pas le nom. Ah ouais, franchement, t'as été hyper rapide, Fred. Hallucinant, quoi. Tu te l'es revu hier soir ou ça? J'adore. Non, j'adore cette musique. Et c'est la musique d'intro, donc. Ouais, j'adore cette musique aussi. Ouais. Je suis une grande fan des films de guerre, donc normalement, j'aurais dû trouver aussi. Je n'ai pas été rapide. En tout cas, merci beaucoup pour... bienvenue à tout le monde, merci beaucoup Pompon. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, j'espère qu'il vous a expliqué. Du coup, on va accueillir Pompon Cucu tout de suite. Il est en train de se connecter avec nous. Il est là, il arrive. Donc il arrive. Oh, bonsoir tout le monde. Bonsoir Pompon. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va très bien, vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais, écoute, là, voilà, on a fait 2 heures. Ça va, on est encore en forme, je pense. Ça va, il faudra nous poser la question demain. On viendra demain, 20h50. Excellent. Ouais, là, ça risque d'être assez comique. À la fin, ouais, ça ne va pas le faire. Ouais.
Ouais, ça c'est sûr, c'est certain. Bon, en tout cas, c'est cool. Tu nous as préparé pour ton heure de live du Red Dead Redemption 2. Tu vas partir en RP, c'est bien ça? Ouais, j'y suis déjà depuis à peu près une heure. Et voilà, donc je vais expliquer tout ça juste après quand je serai à l'antenne pour expliquer un petit peu aux spectateurs et on pourra partager ça tous ensemble pendant une heure. Voilà. Magnifique, merci, c'est parfait. Merci pour tes 100 bits. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment sympa. Donc, encore une fois, tous les dons qui seront faits pendant ces 24 heures seront intégralement reversés à l'association Anti-Gamers qui crée des solutions adaptées pour les joueurs en situation de handicap. Et les accompagnent donc, pour voilà. Les événements. Pour les événements, ils accompagnent pour les événements. Ils font des. Ils créent du matériel elle, adapté. Elle perd déjà voilà, ses mots. Je perds déjà. Écoute. On se demande ce que ça va donner demain. Hein. Ouais, alors demain ça va être l'enfer. Demain je passe le relais. Merci beaucoup pour les 500 bits, c'est vraiment cool. Alors, tout ce qui est bits et tout ça ne sont pas ajoutés à la cagnotte, ils sont mis de côté chez nous et ils seront retransmis et redonnés donc à l'association comme on doit attendre le paiement de Twitch. Donc on les donnera avant que le paiement de Twitch arrive. Donc c'est pas comptable. Oui, mais merci beaucoup, c'est dedans. Ouais, non, c'est vraiment top. En tout cas, merci à tous. Merci d'être aussi nombreux sur le live à nous suivre. Encore une fois, on sera à l'antenne pendant 24 heures de temps. Il va y avoir du just chatting, il va y avoir des sessions de game, des quiz, des clés de jeu à gagner et plein d'invités, 28 personnes au total. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier Alex, Fred, Tom, Stylos et Cyril d'être venus dans cette émission. On a été en tout cas ravis vraiment de vous accueillir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pas de quoi. Merci à vous. Merci, yeah, c'était cool. Merci. C'était vraiment chouette. N'hésitez pas à nous réinviter, hein, si vous voulez. Mais avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Non, c'est chouette. En tout cas, c'était deux premières heures tip top. Et puis bah, là, on va vous laisser les mains de Pompon. On a un petit don. Il y a le train de live qui est parti. Ah, le train de live qui est parti. Magnifique. Voilà.